qui sont empêchées pour raison de santé. J'ai à vous faire part d'une communication du greffier de la Cour constitutionnelle qui nous notifie les arrêts qui ont été prononcés par elle, ainsi d'ailleurs que les recours en annulation qui lui ont été adressés. La liste complète de ces notifications va être reproduite en annexe à notre compte-rendu de séance. Sur les questions écrites, nous avons une liste de membres qui ont adressé des questions au gouvernement depuis la dernière séance, là aussi reproduite en annexe de notre séance. Sur les dépôts, nous avons reçu un projet de décret relatif aux services de médias audiovisuels et de services de partage vidéo. C'est le document 187. Nous avons le rapport d'activité du délégué général de la communauté française aux droits de l'enfant pour l'année 2019-2020, le document 199. Nous avons également, sur base de ce projet de décret et ce rapport d'activité, envoyé à la Commission de l'enfance, de la santé, de la culture, des médias et du droit des femmes, reçu dans la même foulée le projet de décret portant un sentiment au protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation, décret relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010. C'est le document repris au numéro 190. Et puis, il y a le fait que ce projet de décret a été envoyé pour sa part à la Commission des Affaires Générales, des Relations Internationales, du Règlement et du Contrôle des Communications des membres du gouvernement. Sur notre approbation d'ordre du jour, vous savez que l'article 7 stipule les modalités. La conférence des présidents, en sa réunion du 14 janvier, a donc procédé à cette élaboration. Et nous en sommes aujourd'hui à en faire le bilan. Y a-t-il, par rapport à cet ordre du jour, des remarques ? Alors, une remarque, Alice Bernard, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Le groupe PTB sollicite l'inscription en urgence et l'examen en urgence de la proposition de résolution concernant le soutien aux travailleurs de la culture dans le contexte de la COVID-19. Donc, on souhaiterait le discuter aujourd'hui en séance et on demande l'urgence. Merci, Madame Bernard. Alors, pour être recevable, la demande, je m'en réfère à notre article 39, paragraphe 3, doit être appuyée par 9 membres au moins. Alors, est-ce le cas ? Donc, nous allons vérifier avec les votes à distance, évidemment. Nous attendons que les services techniques fassent la vérification et je vous reviens. Madame Gruly, je vous en prie. Simplement, je profite qu'on attend pour vous informer déjà que le groupe CDH et le groupe Défi demanderont la prise en considération dès la prochaine commission de la résolution sur les personnes ressources techniciens numériques et donc l'inscription à la prochaine commission. J'y reviendrai évidemment en conférence des présidents, mais comme ça, vous êtes déjà informés. Très bien. J'aborderai le point juste à la suite de la décision que nous devons prendre par rapport au texte du PTB, mais j'entends votre argument. Il y a au moins 9 députés, donc il n'y a pas de difficulté. Nous pouvons poursuivre. Alors, si personne ne s'oppose à la demande, je vous propose d'ajouter cette discussion et le vote de la proposition de résolution à l'ordre du jour de notre séance. Alors, je vois qu'il y a une demande de prise de parole. Je vous en prie, M. Segers. Merci, Monsieur le Président. Si nous n'avons pas un problème de fond à étudier le texte en urgence, nous pensons que l'étudier aujourd'hui sans avoir tous les éléments ne serait pas une bonne chose. Et donc, nous proposons de ne pas mettre le point à l'ordre du jour immédiatement aujourd'hui, mais plutôt de l'analyser en commission prochainement. Bon, donc, puisque nous avons des positions contradictoires, le PTB demande que
nous agissions dans l'examen de manière urgente. Monsieur Seghers fait valoir que sa connaissance de la matière nécessite un peu de recul et donc de ne pas accepter l'urgence. Je vais donc devoir procéder au vote. Alors ça va se passer comme ceci. On a besoin de 2 minutes techniquement pour veiller à ce que l'ensemble des parlementaires puissent être questionnés et vont devoir voter sur la recevabilité de la proposition du PTB de reprendre cette proposition de résolution en urgence aujourd'hui dans nos travaux. Et donc, j'interromps 2 minutes la séance simplement. Mais avant d'interrompre, je vois que Mme Bernard demande la parole. Je vous en prie. J'aurais voulu éventuellement défendre les raisons pour lesquelles nous souhaitons l'urgence... C'est légitime, je vous en prie. Et d'ailleurs, ça donne le temps aussi aux parlementaires de se préparer. Donc, allez-y. Voilà, mais je pense que l'urgence me paraît tout à fait légitime dans la mesure où on est dans une crise sanitaire qui dure depuis déjà un certain temps, que le secteur culturel est un des secteurs les plus impactés par la crise. Certes, il y a eu une petite reprise entre les deux vagues de contamination et donc de confinement, mais certains travailleurs de la culture n'ont plus aucun revenu depuis des mois. Ils vont de plus en plus dans les banques alimentaires. On a même une banque alimentaire spéciale qui s'est créée pour eux, qui s'appelle Feed the Culture. On reçoit des messages de détresse et donc c'est d'autant plus compliqué que le secteur était déjà fragilisé avant la crise, avec des emplois précaires qui n'offrent pas beaucoup de sécurité. Il y a des choses qui avancent. Aujourd'hui, on a au Parlement fédéral des auditions en matière de statut d'artiste et donc ça veut dire qu'il y a des réflexions qui se font et qui vont probablement, nous espérons vraiment que ce sera le cas, qui vont probablement aboutir, mais en attendant il y a des problèmes qui continuent à se poser et l'urgence de pouvoir en quelque sorte remplir les frigos de tous ces gens, elle n'est pas encore rencontrée. Il y a eu des initiatives dans les régions flamandes et bruxelloises pour accorder des aides directes aux travailleurs de la culture. En région wallonne, ce n'est pas encore le cas. Nous avons eu ici des discussions où on nous dit que ce n'est pas de la compétence de la communauté de donner des aides directes aux travailleurs de la culture. Mais donc, notre proposition de résolution vise à essayer de trouver ce que notre communauté française pourrait quand même faire pour aboutir à ce que ces travailleurs de la culture reçoivent une aide directe immédiates qui leur permettent d'avoir un revenu ou en tout cas un minimum d'existence. Voilà, ça c'est l'objet de la résolution que nous voulons discuter aujourd'hui et c'est pour ça que nous pensons que le plus tôt on la discute, le plus tôt on peut se mettre au travail et essayer d'aboutir à une solution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Seghers, vous tenez à réagir? Oui, je pense qu'on a un constat unanime dans ce Parlement qu'il y a effectivement urgence et importance à traiter la question de la culture et de savoir comment est-ce que l'ensemble de ces parties prenantes peuvent survivre à la crise terrible que nous vivons. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que le texte que nous recevons ici, rien que sur son évocation de travailleur de la culture, pose débat. Qu'est-ce qu'un travailleur de la culture? Est-ce que c'est un intermittent? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est une personne qui travaille pour un opérateur qui a encore des subventions? Et donc, en fait, le champ qui est proposé est un champ extrêmement large pour un sujet extrêmement complexe. Donc, il ne s'agit pas simplement de ne pas constater ce genre. Nous sommes d'accord. Il y a urgence à continuer à parler de la culture, de ses enjeux. Il y a urgence à pouvoir se soucier des réponses que nous donnons. Il y a urgence à pouvoir assurer que le gouvernement continue le travail qui est mené. Il y a urgence, effectivement, à ce que la ministre de la Culture puisse prendre en main sa présidence de la conférence interministérielle et puisse pouvoir discuter avec tout cela. Mais sincèrement, je pense que ce n'est pas avec un texte en résolution qui appelle juste à ce que l'ensemble des travailleurs de la culture soit pris en considération qu'on arrivera à faire avancer la question. Par contre, nous pensons que ce débat peut se tenir de manière sereine avec les éléments que pourront nous apporter éventuellement le gouvernement dans le cadre de la commission. Comme nous l'avons fait encore hier en commission culture, nous avons débattu pendant plus de 15 heures sur la question de l'audiovisuel et des médias. Et donc j'insiste vraiment, ce n'est pas une question de considération de savoir si c'est urgent ou non.
C'est une question de bien établir le cadre parlementaire et de pouvoir faire nos travaux le mieux possible en tenant compte justement de cette détresse et de cette douleur qui est auprès des personnes les plus touchées. Merci beaucoup pour cette intervention. Madame Gréoli souhaite intervenir également, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous allons procéder au vote. Est-ce que vous souhaitez que je justifie dès à présent l'abstention du CDH ? Comme ça, ce sera fait. Comme ça, vous savez que nous allons nous abstenir. Et ce n'est pas de coutume, mais pour gagner le temps nécessaire à ce que toutes les conditions techniques soient requises, l'inversion me paraît tout à fait opportune. Si je peux vous aider, Monsieur le Président, c'est avec plaisir. Nous allons nous abstenir parce que le sujet est effectivement essentiel. Et sauf erreur de ma part, ça fait des mois que dans ce Parlement, tout le monde parle de ce sujet. Nous allons nous abstenir parce que voter en urgence sur une résolution qui dit que dans les faits, il aurait été urgent que des décisions soient prises depuis des mois, ça ne mange pas de pain, mais à part de la com, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Nous allons nous abstenir parce qu'il n'est pas question de voter contre votre résolution. Nous allons nous abstenir parce que nous estimons qu'il faut aussi donner un message clair à ce gouvernement et en particulier à la ministre de la Culture, qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'on est les relais des artistes, qu'il s'agit de poser des actes et d'obtenir des décisions. Et donc oui, nous allons nous abstenir. Nous allons nous abstenir parce que vous avez raison. Des actes et des décisions auraient dû être prises depuis des mois. Mais nous allons nous abstenir parce que votre résolution ne donne aucune piste de solution. Des pistes de solution, nous les avons déposées, nous, au mois de mars, et nous attendons toujours que la ministre les prenne en considération. Merci pour votre intervention. Je crois que nous avons laissé s'exprimer chacun. Avant de voter, une dernière prise de parole de Madame Bernard, je vous en prie. Oui, merci. Je pense que Madame Gréoli, c'est vrai qu'on a décidé de demander l'urgence là, maintenant, tout de suite, et peut-être on n'a pas eu le temps de lire, quoique hier on a analysé 300 pages en une seule journée. Donc, non, notre proposition, c'est effectivement qu'on arrive à trouver une façon pour que la région wallonne, qui est la seule qui n'a pas encore donné des aides directes aux travailleurs de la culture, puisse le faire. Et que donc la communauté française, à la place de dire « c'est pas ma compétence », la communauté française pourrait mettre en route des discussions avec la région wallonne pour arriver à ce résultat-là. Parce que c'est quand même de ça, quand vous dites « on a besoin d'actes », oui, on a besoin d'actes, on a besoin de trouver une solution, et c'est ça que nous demandons à la communauté française de faire. Et donc, plus tôt on peut le faire, le mieux c'est. Merci. Je pense qu'on ne va pas aborder davantage le fond, parce qu'autrement, il ne serait pas opportun même de dire que nous refusons l'urgence. Mais, allez, si vous êtes extrêmement brève, Madame Gréoli, je vous en prie, par courtoisie, je vous cède la parole et nous allons voter ensuite. Mais c'est juste parce que Madame Bernard m'a cité, Monsieur le Président. Vous avez raison, Madame Bernard. Mais alors, il fallait que votre résolution demande à la ministre d'arrêter de parler de la CIME Culture et de la réunir toutes les semaines. Elle a le temps d'aller, et c'est très bien, toutes les semaines en CIME Santé, et c'est essentiel qu'elle y soit. Elle est présidente de la CIME Culture, elle pourrait la réunir au moins aussi toutes les semaines. La culture en a bien besoin. Nous avons entendu tous les arguments avec une certaine véhémence, mais maintenant que tout cela est dit, nous allons passer au vote. Je rappelle, donc, c'est sur l'acceptation ou pas de l'urgence. Début des votes. Alors, l'ensemble des parlementaires qui sont ici présents ont-ils pu vérifier que leur vote ait été enregistré et qu'il est correct? Je ne vois pas de désapprobation, donc nous pouvons considérer que ceux qui sont présents, celles qui sont présentes, eux, ont donc pu s'exprimer. Nous attendons le vote à distance. Voilà, nous allons clore le vote à distance aussi et faire la comptabilisation des votes.
Voilà, le résultat est donc celui-ci. 61 parlementaires ont participé à ce vote. Il y a 12 pour, 39 contre, 10 abstentions. Les justifications d'abstention, je crois, ont été données. Donc, l'urgence est rejetée. Le point suivant, à notre ordre du jour, donc, le texte va être discuté selon la procédure habituelle. Alors, pour ce qui concerne maintenant le CDH, il avait effectivement, et ça a déjà été soulevé, proposé une résolution relative au soutien aux personnes ressources techniciens numériques. Madame Grioli a dit qu'effectivement, elle allait en faire la demande. Je crois qu'il y a, on doit évidemment vérifier qu'il y a le nombre de députés qui le soutient. Je vous en prie. Je ne demandais pas l'urgence, je vous signalais juste que nous allions demander l'inscription à la plus prochaine commission. Bon, cela ne nécessite aucun autre acte de notre part, donc nous en enregistrons en prenant acte et allons effectivement en débattre ultérieurement. Notre ordre du jour ainsi modifié est adopté. Je dois quand même vous informer de ce qu'une conférence des présidents sera convoquée à l'issue de nos votes. En l'occurrence, nous allons discuter de la commission Enfance Culture de la semaine prochaine et de l'approbation du rapport. Ensuite, nous avons des communications à faire. Elles concernent les points 4 à 7 de notre ordre du jour. Je rappelle que 4 urnes sont placées dans l'atrium de l'Hôtel de Ligne. Les députés qui ont déjà pu le faire, effectivement, ont vu comment cela se passe. Il y a à l'entrée une enveloppe avec les 4 bulletins de vote pour les 4 organismes pour lesquels les désignations sont effectuées. Je rappelle qu'il s'agit de la commission permanente du pacte culturel, c'est un bulletin blanc. Le conseil d'administration de la RTBF, un bulletin jaune. Le conseil d'administration d'UNIA, un bulletin vert. Et le conseil UBE, c'est le bulletin rose. Donc des huissiers sont évidemment présents pendant les plages horaires pour qu'on puisse procéder au vote dans toutes les conditions requises. À 15h30, les bulletins seront donc dépouillés dans le respect de notre règlement, l'heure à laquelle d'ailleurs on clôture les votes, et le cas échéant, la séance sera suspendue pour permettre au service de vérifier les opérations de comptage. Voilà qui est dit. Alors, sur les questions d'actualité. Dans les questions d'actualité, je voudrais commencer par un petit rappel et une mise en garde. Donc, on a une tolérance dans la maison qui est celle-ci. C'est de procéder à une souplesse par rapport à la lecture des textes. Ce qui est d'ailleurs, je pense, utile parfois quand on a des données plus précises, des nomenclatures à communiquer. Mais quand on a une note et qu'on a effectivement le confort de pouvoir lire une note, on doit pouvoir calibrer sa note pour respecter le temps de parole. Et nous sommes à 2 minutes. Donc je demande à chacun et chacune de respecter ce temps de parole. Je serai un peu plus impératif aujourd'hui. Donc prenez garde au compteur. Ça pourrait être un peu frustrant. Et surtout, évitez aussi les longs prolégomènes qui replacent le sujet, aller droit au but. Ça permet de répondre avec d'autant plus d'efficacité. Bon, cela dit, nous allons donc maintenant entrer dans les questions. À commencer par la question numéro 1, en l'occurrence posée par Mme Bernard, sur le rôle que peut jouer l'Organisation internationale de la francophonie pour une répartition équitable des vaccins contre le coronavirus. Question donc posée à M. le ministre-président. Mme Bernard, je vous en prie. Merci, M. le Président. Dans 49 pays riches, il y a déjà eu 39 millions de doses du vaccin contre le coronavirus qui ont été administrées. Donc le vaccin, il est enfin là, c'est tant mieux. Par contre, dans le même temps, dans un pays aux revenus beaucoup plus bas, il n'y a eu que 25 personnes qui ont été vaccinées, contre 39 millions dans les pays riches. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que ce serait un échec moral catastrophique si les pays riches accaparaient le vaccin au détriment des pays pauvres, et que cet échec coûtera des vies et des moyens de subsistance pour les pays les plus pauvres du monde. En novembre dernier,
Le réseau parlementaire de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a appelé les chefs d'État et de gouvernement à se concerter et à s'engager pour que les vaccins soient définis comme des biens communs universels. Cette Assemblée parlementaire de la francophonie a demandé au gouvernement de se mobiliser activement pour développer des stratégies de vaccination universelle et équitable, tout en exigeant davantage de transparence au sein des marchés pharmaceutiques et de la part des autorités en matière de coûts de production, de résultats, de la recherche, d'investissements publics et privés en recherche et développement. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions. Quelle réponse avez-vous apportée à cette demande de l'Association parlementaire de la francophonie ? Avez-vous entrepris des démarches concrètes, éventuellement en concertation avec d'autres niveaux de pouvoir en Belgique, pour obtenir plus de transparence de la part des firmes pharmaceutiques dans le sens d'une répartition équitable des vaccins dans le monde ? Et au vu des chiffres qui sont publiés par l'OMS aujourd'hui, que voyez-vous comme possibilité pour rétablir un meilleur équilibre ? Je vous remercie. Voilà. À deux secondes près dans le calibre. Bravo, Madame Bernard. Monsieur le ministre-président. Oui, Madame la députée, on est face évidemment à une crise sanitaire mondiale et il faut trouver des solutions à cette échelle aussi. On ne pourra éradiquer cette maladie que si on a une répartition globale des vaccins à travers le monde contre le coronavirus. Alors, vous parlez de l'Organisation internationale de la francophonie, avec tout le poids qu'elle peut avoir, tout le lobbying qu'elle peut avoir auprès des autorités européennes, mais c'est au niveau des autorités européennes que les leviers s'activent aujourd'hui. Et il y aura d'ailleurs une réunion demain entre les chefs d'État et de gouvernement et un Conseil des affaires étrangères le 25 janvier. Et ce point de la stratégie de vaccination à l'égard des pays et des États tiers sera à l'ordre du jour. Deuxième élément, c'est que nous nous inscrivons évidemment dans l'importance de la définition de critères objectifs par rapport à la distribution et la priorisation des vaccins dans ces pays par rapport aux groupes cibles, que ce soit les pays voisins de l'Europe, mais aussi les pays les plus en souffrance et les pays les plus vulnérables. Donc, voilà, Madame la députée, on partage évidemment cette analyse et ce mécontentement de la situation. Et vous savez que la vaccination, y compris dans les pays européens, y compris dans le nôtre, c'est un fameux défi. Et on n'est pas encore au bout de nos peines et on doit absolument réussir ce défi, que ce soit chez nous, que ce soit en Europe, mais aussi que ce soit à travers le monde et faisant preuve de solidarité comme l'Europe sera amenée, j'en suis sûr, à le faire. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Madame Bernard, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Je suis heureuse d'entendre que la question sera à l'ordre du jour très bientôt au niveau européen, parce que je pense que c'est effectivement à un niveau international qu'il faut agir et qu'il faut obtenir des avancées. Et je pense aussi qu'en plus des mobilisations parlementaires, des mobilisations des gouvernements, il faudra conjuguer toutes les initiatives et tous les efforts, puisque c'est vrai, le défi est immense. Et donc, je suis aussi très heureuse d'avoir lu hier dans La Libre un appel de 50 personnalités occupées à lutter contre le vaccin qui ont signé l'appel, l'initiative européenne qui vise à récolter 1 million de signatures au nom de « on ne peut pas faire de profit sur cette pandémie », de sorte à avoir de la transparence, un contrôle public et de la solidarité entre citoyens. Je vous remercie et je vous appelle à signer vous aussi cette initiative. Merci. La deuxième question est posée par Mme Grosvenus et porte sur la situation d'Alexeï Navalny. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, Alexeï Navalny a été arrêté ce 17 janvier à l'aéroport de Moscou. Je ne dois pas rappeler qu'il s'agit de l'un des principaux opposants, à Vladimir Poutine, dont la vie est d'ailleurs en danger depuis un certain nombre d'années.
Lorsqu'il a été arrêté, d'ailleurs, il revenait d'Allemagne, où il avait été soigné suite à un empoisonnement pour le moins suspect. Alors, cette arrestation, elle s'est tenue suite à, je ne sais pas si on peut parler de procès, mais en tout cas, une procédure pour le moins surréaliste, où un tribunal s'est réuni dans un commissariat de police, où l'avocat de la défense a été prévenu en dernière minute, où on avait même des figurants dans la salle d'audience, etc. Et cela constitue, évidemment, cette arrestation constitue une grave violation aux droits humains, que la communauté internationale, d'ailleurs, condamne de manière unanime, de la même manière que la communauté internationale demande la libération immédiate d'Alexeï Navalny. Moscou a déjà fait part du fait qu'il ne tenait pas vraiment en compte ou en considération la position de la communauté internationale, ce qui, à vrai dire, n'est pas tellement surprenant. Mais monsieur le ministre-président, je souhaitais aujourd'hui que nous puissions aborder cette question au Parlement, que vous puissiez nous faire part de la position du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à cette arrestation et par rapport à la situation sur place, et quelles actions, même diplomatiques ou politiques, pourraient être mises en œuvre pour répondre à cette arrestation arbitraire. Merci, monsieur le ministre-président. Merci, madame Grenius. Monsieur le ministre-président, à vous la parole. Oui, merci Madame la députée. Je partage évidemment l'inquiétude et l'indignation par rapport à cette arrestation et ces images de l'arrestation d'Alexeï Navalny à l'aéroport de Moscou ce week-end. Ces images qui ont fait le tour du monde et je me joins évidemment et le gouvernement se joint aux nombreux appels à la libération d'Alexeï Navalny, comme l'a fait la ministre des Affaires étrangères aussi, en exprimant publiquement, je vais dire, le fait que les droits et ces droits devaient être respectés, qu'ils devaient être libérés. Alors, vous savez, comme moi, que la Fédération seule ne pourra obtenir sa libération, ou alors vous me surestimez très fort et vous serez déçus, mais c'est clair que nous nous joignons évidemment non seulement à la position de la Belgique, mais aussi à la position européenne, parce que le levier, c'est vraiment la pression qui doit être forte au niveau des autorités européennes. Et le haut représentant permanent, Josep Borrell, a d'ailleurs été très clair par rapport à la position européenne et rappelé qu'il condamnait fermement cette arrestation et cet emprisonnement politique, comme nous l'avons fait au niveau belge. Et comme je l'ai dit dans la précédente question, les relations avec la Russie et le cas Navalny sera à l'ordre du jour du Conseil des affaires étrangères lundi prochain, le 25 janvier. Et je pense que c'est en effet là le levier qui sera majeur pour faire pression par rapport à cette libération. Merci, monsieur le ministre-président. Madame Grosvenius, je vous en prie. Merci, monsieur le ministre-président. Je vous rassure, monsieur Géolet, je ne m'attendais pas effectivement à ce que vous puissiez décider et que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse décider à lui seul de cette libération. Mais vous l'avez bien compris, évidemment, la volonté ici, c'est qu'ensemble, nous puissions attirer l'attention sur cette situation de violation grave et évidente des droits humains et que nous puissions porter évidemment un message politique ensemble et qui viendra s'additionner évidemment à ceux de l'Europe, à ceux d'autres gouvernements et d'autres assemblées parlementaires qui, ensemble, se joignent pour mettre en évidence ce cas et pour faire en sorte qu'on puisse obtenir la libération effective d'Alexeï Navalny. Merci, monsieur le ministre-président. Merci. Nous voilà rassurés, madame Grosvenius ne considère pas votre impotence politique. Donc, sachant que cela étant maintenant acquis pour nous tous, nous allons poursuivre nos questions. Et les questions suivantes sont adressées à M. Dardenne, qui est vice-président et ministre du Budget. En l'occurrence, la première question et la deuxième question qui lui sont posées sont groupées.
La première lui posée par Mme Gréoli sur le port de signes convictionnels dans l'établissement. Je vous en prie, Mme Gréoli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il s'agit bien de ports convictionnels dans l'enseignement supérieur organisé et géré par Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et donc, samedi, nous apprenions que le conseil d'administration de WBE avait pris la décision de permettre le port de signes convictionnels dès la rentrée prochaine, à la fois dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de promotion sociale de ce réseau. Et cette décision a été prise par consensus à l'intérieur de son conseil d'administration et avec les directions des établissements concernés. Alors, vous avez la tutelle de WBE et vous n'êtes pas intervenu et je vous en félicite. Par contre, visiblement, cette décision n'a pas plu à un président de parti, en l'occurrence le président du MR, et il a tweeté se demandant, Monsieur le ministre, quel était le statut de cette décision. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes nombreux ici à avoir travaillé à ce qu'on fasse une différence entre opérateur et régulateur. Et lors de notre dernière législature, nous avons eu la chance de pouvoir approuver un décret qui faisait bien la différence, qui était réclamé par certains d'entre nous depuis des dizaines d'années, entre opérateurs et régulateurs. Et oui, WBE est un conseil d'administration indépendant. Alors, Monsieur le ministre, vous en avez la tutelle et je voudrais avoir de votre part la garantie que cette indépendance et cette séparation entre les pouvoirs opérateurs et régulateurs sera respectée, non seulement par vous, mais par l'ensemble de votre gouvernement. Je pense qu'il y va de la confiance que chacun d'entre nous peut mettre dans les normes que nous prenons, mais aussi dans le fait que lorsque, avec d'autres, nous avons voté ce décret, on faisait bien une coupure de l'histoire et qu'on mettait bien la différence entre ce qu'est un opérateur et ce qu'est un régulateur. Merci, Mme Gréoli. Sur le même thème, M. Lenard, je vous en prie. Merci, M. le Président. Alors, Mme Gréoli a évidemment posé le contexte. Je pense clairement que cette harmonisation au niveau des règlements d'ordre intérieur que WBE a amené est une chose évidemment intéressante pour l'ensemble de ces établissements du supérieur. Et donc, je reviendrai sur le même constat. On a eu dans la presse des interventions d'un président de parti qui remettait peut-être en cause la décision de WBE en disant qu'il n'était peut-être pas habilité directement à prendre ces décisions. Et donc, très simplement, Monsieur le ministre, afin de lever toute ambiguïté peut-être, pouvez-vous nous préciser dans quel contexte finalement cette décision a été prise au sein du conseil d'administration. Je vous remercie. Merci beaucoup, ce qui permet à Monsieur le ministre de répondre. Je vous en prie. Merci, Président. Merci, Madame, Monsieur les députés, pour vos questions. En fait, je peux vous rassurer, aucun membre du gouvernement n'est intervenu dans la décision de WBE. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé, WBE jouit d'une autonomie, d'un conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui a pris cette décision. Et en ma qualité de ministre de tutelle, je serai attentif à ce que cette autonomie soit pleinement respectée dans ce dossier et dans tous les dossiers, d'ailleurs, qui concernent WBE et qui est de la compétence de son conseil d'administration. Alors, comment est-on arrivé à cette décision-là ? C'est très simple. Il y a eu le conseil d'administration d'une haute école qui a interpellé le conseil de WBE, qui a interpellé le conseil pour voir quelle était la position concernant le principe de neutralité et d'interdiction du port de signes ostentatoires. Et le Conseil s'est réuni à consulter, s'est réuni trois fois d'ailleurs sur le thème, et a pris sa décision, Conseil qui était largement constitué et à une large majorité. Et donc je pense que
tout cela a été réalisé dans le respect total des procédures applicables à WBE. Merci, Monsieur le ministre. Je me retourne à nouveau vers Madame Gréoli, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Et vous avez parlé d'or en disant qu'effectivement, c'est un conseil d'administration indépendant et que cette indépendance, elle est d'autant plus importante qu'elle vous permet à vous, comme à l'ensemble du gouvernement, de pouvoir vous positionner en termes de régulateur et donc d'avoir la juste distance avec l'ensemble des réseaux lorsque vous prenez des décisions. Vous comprendrez que je vais aussi garder avec et regarder avec la plus grande attention que ce que vous avez pris comme juste et parfaite position dans ce dossier, vous le prendrez dans tous les dossiers qui concernent l'enseignement. Merci. Monsieur Léonard. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le Ministre, évidemment, pour ses réponses et pour sa clarté. Alors, ma question était dans un premier temps peut-être un peu plus précise, mais Madame Gréoli ayant bien balisé le sujet, voilà, j'en suis resté là. Néanmoins, ici, clairement, l'autonomie est respectée, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Néanmoins, sur le fond du dossier, j'attirerai juste une attention, et Madame Gréoli en a plus ou moins parlé. Attention sur le fait qu'on parle bien ici du supérieur et donc d'étudiants majeurs, hein, clairement, et non du secondaire ou du fondamental, pour qui, personnellement, en tout cas, cette question de neutralité inclusive plutôt qu'exclusive, en ce qui me concerne, évidemment, serait peut-être un peu plus tranchée, mais je vous remercie, bien évidemment, pour vos réponses. Merci. Nous passons à la suite des questions. Elles sont adressées à Mme Linard, vice-présidente et ministre de l'Enfance, Santé, Culture, Médias et Droits des Femmes. En l'occurrence, c'est Mme Chabert qui pose une question sur la mise en place de collaboration entre l'école et les acteurs de l'extrascolaire. Mme Chabert, nous écoutons. Je suis là, oui. Merci, Monsieur le Président. Mais Madame la ministre, ce lundi, il y a deux jours, j'ai lu un article dans Le Soir où la ministre Caroline Désir a détaillé plusieurs recommandations qu'elle exprimait à destination des enseignants, des parents et des familles. Et parmi elles, une a retenu particulièrement mon attention, c'est la question de renforcer le plus possible les collaborations entre les acteurs de l'école et le monde de l'extrascolaire. Parce qu'on sait que depuis plusieurs mois, les activités extrascolaires sont suspendues pour les enfants de plus de 12 ans et les jeunes le vivent très très mal. On sait que les activités de groupe, comme les liens sociaux, sont constitutifs, sont vraiment importants pour leur développement, pour leur santé mentale, mais aussi pour leur bien-être. Et on voit que le confinement durant un peu en longueur, nous sommes, en tout cas, au groupe socialiste, particulièrement inquiets sur leur santé mentale. Ils nous montrent de plus en plus des signes de souffrance. Et d'ailleurs, les professionnels de la santé mentale redoutent fortement et nous interpelle sur les conséquences à long terme de ces privations sociales que sont l'école et le monde extrascolaire, l'accès à la culture, au sport, aux amis, etc. Et donc je m'interroge sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre à ces enfants, à ces jeunes de plus de 12 ans, d'être accueillis par des acteurs extérieurs à l'école. Et je voudrais redire ici que la jeunesse est notre priorité au groupe socialiste. Et donc mes questions, c'est je voudrais savoir si vous aviez déjà initié une réflexion à ce sujet dans le cadre des contraintes qui sont les vôtres, hein, par rapport aux contraintes sanitaires. Si oui, est-ce que vous pensez que la mise en place de collaboration entre l'école et le monde extrascolaire pour permettre à ces enfants de fréquenter en petits groupes, alors il faut trouver les modalités, est-ce que ce serait possible? Et pensez-vous enfin que des exceptions à la règle actuelle pourraient être envisagées pour que les élèves qui sont les plus en souffrance, les plus affectés, dont la santé mentale même est mise en question, ils pourraient y participer. Je pense qu'on doit être absolument créatif et faire preuve d'inventivité pour vraiment sauver notre jeunesse. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Chabert. Madame la ministre, vous avez la parole.
Madame la députée, je vous rejoins tout à fait. La crise a un effet particulièrement dévastateur sur les enfants et les jeunes. Et en tant que ministre de l'Enfance, le bien-être et l'épanouissement des enfants et des jeunes est ma première préoccupation. On sait que si on a pu préserver les activités pour les enfants de moins de 13 ans, effectivement, les adolescents, les jeunes consentent aujourd'hui un sacrifice respecter les mesures qui permettent d'endiguer la pandémie puisqu'ils n'ont plus d'activité. On sait cependant que l'adolescence est une période importante en termes de socialisation et aussi que les activités extrascolaires permettent finalement de construire leur identité pour le futur, en plus d'apporter des éléments au bien-être. Sur la question des synergies entre monde scolaire et extrascolaire, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que ces mondes peuvent travailler et se parler davantage, même s'il y a évidemment des choses qui se font, et c'est le cas de ce cette question est au cœur de ce qui va animer le chantier de la réforme de l'accueil temps libre, mais ça c'est pour les mois, les semaines et les mois qui vont venir. La crise, encore plus qu'en temps normal, je dirais, nécessite que des synergies aient lieu entre ces mondes. Dans les différentes rencontres que j'ai eues, par exemple, avec les représentants des écoles de devoirs, mais aussi avec la coalition des parents de milieux populaires, ces acteurs-là disent « nous sommes prêts à travailler plus encore avec le monde de l'école et prendre une part dans la crise pour justement répondre aux inquiétudes qu'ils ont par rapport aux jeunes ». Et donc, le gouvernement aussi est préoccupé par cela et va proposer au Codeco de vendredi une adaptation de l'arrêté ministériel pour permettre à des acteurs comme les écoles de devoirs, les AMO, les maisons de jeunesse, de recréer des liens avec ces jeunes en difficulté en assurant des suivis individuel pour les jeunes de plus de 12 ans dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Chabert. Oui, merci. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je me réjouis de ce que vous ameniez donc, au prochain Codeco, cette question de l'adaptation de l'arrêté, parce que c'est un vrai problème et donc il faut absolument avancer là-dessus. Donc ça, c'est très très bien. Après, je pense, je le disais, être créatif sur des questions d'activité en extérieur, de soutien, etc. La période est compliquée, mais c'est vraiment fondamental. Notre jeunesse est en danger. Je pense que ça doit être notre priorité à tous. Je vous remercie. Merci, Madame Chabert. Nous passons à présent aux questions adressées par les parlementaires à Madame la Ministre Glatini. La première question est posée par Monsieur Michel Di Mattia. Il s'agit de l'annonce du départ de la Haute École Louvain en Hainaut de son site de la Louvière. Monsieur Di Mattia, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la semaine dernière, la Haute École Louvain en Hainaut a annoncé sa volonté de délocaliser le département économique du site de la Louvière vers Montigny-sur-Sambre. Alors, cette annonce est justifiée par la Haute École pour des raisons d'intégration des offres sur un même site et de synergie entre différentes disciplines. Alors, très vite, une task force à la tête de laquelle se retrouvent des forces régionales, donc la communauté urbaine du centre, présidée par M. Laurent Devin, ainsi qu'un appel du bourgmestre, ont mobilisé un certain nombre de synergies pour rétablir le dialogue. Donc, Madame la Ministre, nous savons pertinemment qu'il ne vous appartient pas d'interférer dans les choix d'une haute école. Cependant, les habilitations concernant l'organisation des filières dans l'enseignement supérieur relèvent de votre compétence et lorsque celles-ci devront être discutées, il vous appartiendra de veiller aux objectifs de la DPC et notamment le fait que les offres puissent se déployer de manière équilibrée et cohérente sur l'ensemble du territoire, singulièrement dans des régions au sein desquelles le taux d'inscription des jeunes en haute école est plus faible qu'ailleurs. Nous savons également, par ailleurs, que la fin du moratoire a été annoncée par l'ARES, donc c'est fin du mois de mars. Avant la fin de l'année, un certain nombre de décisions vont tomber. Je vois que Mme Gréouli acquiesce. Un certain nombre de décisions vont tomber, ils vont impacter inévitablement le départ définitif ou non de la haute école. Alors, mes questions sont simples, Madame la Ministre. Dans le cadre des habilitations qui seront proposées par l'ARES, la répartition géographique
la répartition de la territorialité, le fait de toucher toutes les régions, sera-t-elle une priorité? Auquel cas, peut-on imaginer qu'un bassin de vie de plus de 250 000 habitants, et singulièrement sa ville la plus emblématique de plus de 80 000 habitants, soit pratiquement dépourvu de toute offre en matière? La haute école a créé vraiment l'émoi dans la région du centre. C'est une réelle catastrophe pour l'offre d'enseignement supérieur. Ce sont 300 étudiants qui pourraient quitter la Louvière pour aller vers Montigny-sur-Sambre. D'après l'école, ce sont des investissements importants au niveau des infrastructures qui seraient demandés, également le manque de visibilité de leur école. Le collège communal de la Louvière a fait offre d'un terrain ou même d'un bâtiment, mais apparemment ces offres ont été refusées, en tout cas déclinées par la haute école. Comme vous le savez, il y a quasi plus, si cette école part, il y aura quasi plus d'offres d'enseignement supérieur dans la région du centre. Or, l'évolution socio-économique de cette région est tributaire de son offre en matière notamment de formation. Il y a un problème aussi d'accessibilité à l'enseignement supérieur dans une région qui est relativement pauvre. Et aussi, il faut faire attention à ne pas créer des inégalités supplémentaires. Et donc, Madame la Ministre, j'imagine que vous êtes bien au courant de la situation. Et si ce départ était confirmé, mais comment, à votre niveau, vous pourriez essayer de trouver des solutions par rapport à cette accessibilité aux écoles supérieures? Je vous remercie. Merci. Alors, toujours sur le même thème, Monsieur Herman. Merci, Monsieur le Président. Mais comme les collègues viennent de l'expliquer, le conseil d'administration de la Haute École Louvain en Hainaut a décidé donc de délocaliser très prochainement l'enseignement qu'elle propose à la Louvière vers son site de Montigny-sur-Sambre à Charleroi. Hier, dont le père en fait était mineur, a été mineur pendant 16 ans, sa femme était femme d'ouvrage. Il a réussi à avoir un diplôme de marketing qu'il n'aurait jamais pu faire si ça avait été dans une autre ville. Sans cette école, il n'aurait pratiquement eu aucune chance de faire des études supérieures. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres sur l'importance d'avoir des écoles supérieures de proximité. Ça signifie que des jeunes qui sont dans des zones mal desservies en transport en commun, qui n'ont pas les moyens de se payer un coat ou une voiture, vont devoir tout simplement renoncer à se lancer dans des études supérieures. Comme on l'a dit également, la CUC, la communauté urbaine du centre, et le conseil économique et social de la communauté urbaine du centre vous demande d'intervenir afin de demander à la LA de revoir sa décision de déménagement de son implantation louviéroise. Donc, avez-vous pris contact avec la direction de la haute école Louvain en Hainaut? Quelle est votre analyse de la situation? Quelle initiative pouvez-vous prendre pour y répondre? Quels sont vos moyens d'action pour assurer que tous les jeunes de la communauté française puisse avoir accès à l'enseignement supérieur, en particulier dans une région comme la région du centre? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de pouvoir répondre. Ce ne sera pas sous l'autorité présidentielle de M. Devin, qui a un grand intérêt pour ces matières, mais il vous écoute comme nous tous attentivement. Je vous en prie. Merci beaucoup, messieurs les députés, madame la députée, pour votre question sur cette intention de la Haute École de Louvain-en-Hainaut de transférer certaines formations depuis son implantation située à la Louvière vers ses implantations situées à Montigny-sur-Sambre. Vous l'avez rappelé, hein, c'est un PO qui, en toute autonomie, peut décider d'organiser les formations sur son implantation. Ceci dit, au vu de l'émoi suscité parmi les étudiants suite à cette annonce d'une intention. Il s'agira évidemment de voir si cette intention se confirme et ensuite de mener, ça a été rappelé, une indispensable concertation. Mais donc, suite à cet émoi, j'ai contacté la Haute École, de même que le commissaire et délégué au gouvernement, et ils m'ont expliqué que ce qui motivait cette intention, c'était la qualité de la formation, puisque les étudiants pourront avoir accès à des infrastructures et qu'il convenait d'éviter de démultiplier ces infrastructures en prévoyant un deuxième, par exemple, centre de documentation, service de restauration, formation elle-même bien sûr, et puis service d'inscription. Donc c'est en effet la qualité de la formation qui légitime cette intention. Évidemment, il faudra mener la réflexion au niveau de l'ARES, puisqu'un transfert d'habilitation sera nécessaire. Donc il faudra en effet prévoir une habilitation. Et il faudra garder en tête, bien sûr, cet indispensable. L'avance effrénée que nous voyons aujourd'hui, elle s'accompagne d'une forme de regroupement dans les métropoles.
Et ça se fait au détriment des territoires. Et donc, il n'y a pas que la région du centre. Ça peut être le Luxembourg, ça peut être certaines régions de Namur. Et ça, c'est vraiment préjudiciable. Alors, il ne s'agit pas d'avoir sa haute école juste à son coin de rue, mais il s'agit aussi de permettre des complémentarités. Sur la Louvière, il y a un effort et un projet tout à fait ambitieux en matière paramédicale, kinésithérapie sportive, qui peut permettre une complémentarité. Sa force de persuasion, et je sais qu'il a mis en place ou qu'il va mettre en place une task force pour justement essayer vraiment de garder cette haute école sur le territoire du centre. Et donc j'espère vraiment qu'avec la concentration de toutes les forces pour défendre le maintien de l'école sur la région du centre, j'espère vraiment que la haute école va revoir sa position pour éviter vraiment un coup dur pour l'accessibilité à l'enseignement supérieur dans cette région du centre qui en a vraiment besoin. Parce que quand je compare la région de Mons, où nous avons la chance d'avoir une très large offre en matière d'enseignement supérieur, mais on voit évidemment que ça a des conséquences très positives pour la région. Et donc, Monsieur Devin, nous serons avec vous pour ce combat. Merci. Absolument essentiel. Il s'agit de prendre des décisions dans l'intérêt général. Ces écoles reçoivent de l'argent public. Il est normal qu'elles agissent comme un service public, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'entièreté des étudiants, de l'entièreté des territoires. Et donc, il y a là un problème, il y a là un véritable problème. On le voit encore aujourd'hui. Nous espérons que la haute école va revoir sa position et qu'enfin, une offre d'études supérieures dans une ville comme la Louvière, comme dans une région comme la région du centre, pourra se développer et pas disparaître. Je vous remercie. Merci, monsieur Herman. Alors, les deux questions suivantes qui vont clore notre tour de questions sont des questions de M. Dalle et de M. Casier, à commencer par M. Dalle sur le manque de place pour les mineurs en danger. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, bonjour. Alors, je ne peux plus sauver les enfants battus. Ça, c'est le titre qu'on a pu lire dans la presse ce week-end. J'imagine que, tout comme moi, vous avez été interpellé par ce coup de gueule de cette juge de la jeunesse. Alors, au-delà du titre de la phrase choc, qu'est-ce que cette juge de la jeunesse a voulu dire ? Eh bien, c'est qu'elle n'a jamais été confrontée à autant de temps d'attente entre pour de places de solutions pour les enfants en danger. Elle nous indique, malgré les efforts du gouvernement précédent qui avaient été consentis pour augmenter le nombre de places. Et aujourd'hui, comme le disait M. Dalle, il a quasiment doublé, quasiment passé à 2 ans, et la liste d'attente compte pour l'anecdote, mais elle est particulièrement parlante et particulièrement alarmante, 304 enfants, dont le premier attend depuis 2018. Alors ces chiffres sont évidemment particulièrement préoccupants et doivent absolument nous mobiliser et vous mobiliser, Madame la Ministre. Et dans ce cadre, je rejoins évidemment les questions que M. Dalle a posées. J'avais aussi 3 questions un peu plus précises, si vous le permettez. 39 places ont été ouvertes par vous-même, Madame la Ministre, de places d'hébergement temporaire lors de la première vague. Est-ce que vous comptez en ouvrir davantage? 50 équivalents temps plein ont aussi été également engagés. Est-ce que du personnel supplémentaire va encore venir renforcer les équipes? Et puis enfin, comment allez-vous utiliser les 3 millions d'euros obtenus du fonds d'urgence pour améliorer la prise en charge des jeunes en danger ou en difficulté? Je vous remercie d'avance pour votre réponse, mais surtout, je vous remercie d'avance pour votre mobilisation sur cette question. Madame la Ministre, à vous la parole pour votre réplique, votre réponse. Merci, messieurs les députés, pour votre question sur l'impact de la crise sanitaire sur la prise en charge des mineurs en danger. Vous l'avez dit, la crise sanitaire a plus que probablement exacerbé les tensions au sein des familles et potentiellement le nombre d'enfants en danger. Nous travaillons bien sûr en amont du placement sur le soutien aux familles, le soutien aux jeunes dans leur milieu de vie, le soutien à la parentalité. Et évidemment, le placement intervient en dernier ressort. Et à cet égard, j'ai demandé immédiatement à mon administration, à la lecture de l'article, une objectivation de la situation sur le terrain pour avoir une vision globale des délais d'attente, pas seulement à Bruxelles, puisque là, il était fait état d'une question à Bruxelles, mais dans l'ensemble des SAJ et des SPJ.
Concernant ce que nous avons fait lors de la première vague, vous l'avez rappelé, on a créé 39 places en hébergement d'urgence. Nous avons également mobilisé 50 équivalents temps plein sur une base temporaire. Et puis, lors du conclave, nous avons décidé d'allouer 3 millions supplémentaires, principalement pour des recrutements d'urgence, pour des recrutements dans des services d'hébergement et également, probablement également, pour des services d'aide en milieu ouvert pour travailler sur l'optique de la prévention. Mais je ne me prononce pas encore sur le dossier, puisque le dossier devra encore passer en gouvernement. Et puis, il conviendra également de travailler sur la problématique des jeunes à la croisée de plusieurs secteurs. On sait que c'est souvent ça qui pose problème, puisqu'on doit trouver en urgence, et on avait encore un cas le week-end dernier, le vendredi soir, on doit trouver une place pour un jeune qui, à la fois, a des problèmes, est en difficulté, et en même temps, peut avoir un problème qui est de l'ordre du handicap, du retard mental, d'une fragilité psychologique. Et donc, souvent, on est à cheval entre deux secteurs. Et donc, lors du conclave, le gouvernement a débloqué 500 000 euros pour travailler sur cette problématique. Et donc, nous sommes en train d'évaluer les soutiens qui existent déjà pour voir comment les renforcer. Parce qu'on le sait bien, ce qui est important en la matière, ce n'est pas de demander aux jeunes de s'adapter à l'institution, mais c'est à l'institution de s'adapter aux jeunes pour répondre à ses besoins spécifiques. Et ici, nous serons tous d'accord pour dire que il ne faut pas faire du prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. J'en reviens donc à Monsieur Dalle pour qu'il puisse répliquer. Merci, Madame la Ministre. On se traite que vous avez tout à fait confiance du souci qui n'est pas, malheureusement, pas nouveau, mais dont on doit constater qu'il s'aggrave pour le moment. Alors, il y a évidemment les juges de la jeunesse, pour pouvoir faire un travail efficace, ils doivent avoir à leur disposition tout un panel de solutions de manière à pouvoir choisir celle qui est le plus en adéquation avec le besoin du mineur qui est en danger. On a parlé des places d'hébergement, des AMO pour la prévention. Peut-être je voudrais aussi insister pour compléter l'importance des familles d'accueil, qui est aussi une solution qui peut être tout à fait adéquate pour toute une série de mineurs en danger, qui a aussi cet avantage de pouvoir être flexible. On sait aussi qu'on manque de beaucoup de familles d'accueil, 600 pour le moment, et donc il y a aussi certainement une piste d'action dans ce sens-là pour pouvoir vraiment offrir à ces jeunes, à ces juges qui sont confrontés à des drames humains, de pouvoir leur donner la capacité de pouvoir être efficace dans leur action, au bénéfice évidemment de la protection des mineurs en danger. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Cazier, nous écoutons. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, je suis tout à fait rassuré, je n'en doutais pas, mais c'est toujours bien d'entendre que vous êtes particulièrement consciente du problème rencontré. C'est vrai que la situation sanitaire n'a fait qu'exacerber les problèmes et le manque de place, mais elle a aussi exacerbé la situation pour les ces jeunes en danger, puisque certains d'entre eux, avec le confinement que nous vivons aujourd'hui, ou en tout cas le demi-confinement que nous vivons aujourd'hui, puisqu'il n'est plus complètement strict partout, fait qu'aussi les enfants restent plus longtemps potentiellement avec leurs bourreaux, ou en tout cas avec les personnes qui les mettent en danger. Je pense que ça doit aussi absolument nécessiter de mettre en place des solutions très urgentes et très temporaires, maintenant pour y faire face. Et puis, M. Dalle y revenait, vous l'évoquiez dans votre réponse, bien sûr, et nous vous soutiendrons dans toute initiative en la matière pour aborder le problème de manière structurelle. Et effectivement, dans ces différents aspects, puisque des familles d'accueil aux AMO, aux places d'hébergement, ce sont des enjeux d'ordre différent, mais vous obtiendrez tout notre soutien pour toutes les mesures en la matière. Je crois qu'il y a vraiment là un travail à mener de manière structurelle pour que nous puissions répondre à terme au constat de cette juge de la jeunesse et de tous les autres qui doivent obtenir plus de solutions pour répondre aux spécificités des jeunes en danger. Merci d'avance. Monsieur Cazier. Donc, ça clôt les deux groupes homogènes de questions qui étaient posées. Il reste trois petites questions hétérogènes. Madame la ministre, vous avez de nombreuses compétences. La première est posée par Madame Bertrand sur le port du voile autorisé dans l'enseignement supérieur. Je vous en prie, Madame Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, on a appris ce week-end par voie de presse que le conseil d'administration de WBE avait voté favorablement l'autorisation, sauf restriction, du port de signes convictionnels au sein de ses établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement de promotion sociale. À cet égard, pouvez-vous nous confirmer cette décision ? Et avez-vous été tenu au courant de cette décision du CA de WBE, sachant que cette annonce intervient 3 mois après la décision ? La question que j'ai surtout envie de vous poser aujourd'hui, Madame la ministre, c'est est-ce que cette décision va induire des changements fondamentaux dans l'enseignement supérieur ? N'était-ce pas déjà une réalité de terrain ?
Il me semblait que sur les 39 établissements qui dépendent de WBE, très peu interdisaient le port de signes convictionnels dans l'enseignement supérieur, qui était donc une pratique largement répandue, comme c'est le cas d'ailleurs dans nos universités francophones. La position du MR a toujours été claire en la matière. Le MR est en faveur de la liberté des établissements d'enseignement supérieur. On parle bien d'enseignement supérieur et de jeunes femmes qui sont des adultes et pas de l'enseignement obligatoire. Nous acceptons donc que les directeurs autorisent le port de signes convictionnels, tout comme nous acceptons que d'autres optent pour des espaces de neutralité sans signes convictionnels. Position validée d'ailleurs par la Cour constitutionnelle dans l'affaire de la Haute École Francisco Ferrer, qui dépend d'un autre pouvoir organisateur. Madame la ministre, quel regard portez-vous sur cette décision en votre qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de Promotion sociale ? Je vous remercie. Merci, Madame Bertrand. Madame la ministre. Merci, Madame la députée, pour votre question sur la décision du CA de WBE. Il a été rappelé, bien sûr, que c'est mon collègue, le ministre Dardenne, qui a la tutelle sur WBE. C'est une décision que j'ai apprise, comme vous, par voie de presse ce week-end. Elle concerne 50 000 étudiants parmi les 375 000 étudiants que compte l'enseignement supérieur et de promotion sociale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'harmoniser dans les règlements d'ordre intérieur une décision qui va dans le sens d'une limitation des restrictions, des limitations des interdictions de port de signes convictionnels. En cela, elle est assez similaire à ce qui se passe dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Pour rappel, un établissement peut décider d'inscrire dans son règlement d'ordre intérieur une décision d'autorisation ou d'interdiction de port de signes convictionnels, par exemple, si cela se justifie au regard de son projet pédagogique ou pour des circonstances particulières, par exemple la sécurité dans un cours. Et c'est ce qui ressort également de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2020. Je vous remercie. Merci. Pour votre réplique, Madame Bertrand. Merci, Madame la ministre, pour votre réponse très claire. J'ai bien compris, effectivement, que ça dépend de la tutelle du ministre Dardenne et j'entends que vous n'étiez pas informée de cette décision, mais vous rappelez qu'effectivement, c'est ce qui se passe très largement dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et que c'était la pratique. Je vous remercie aussi d'avoir rappelé les balises et donc effectivement pour des raisons de sécurité, que ce soit dans les labos ou que ce soit par exemple pour les stages, il peut y avoir des dérogations. Voilà qui clarifie cette situation. Je vous remercie. Merci. Madame Nikolic, sur la détresse de la jeunesse suite aux mesures de confinement, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, oui, on l'a tous vu passer dans une lettre ouverte massivement relayée sur les médias sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. Victoria, une étudiante de 18 ans qui vient d'entamer ses études à l'ULB, met des mots sur son mal-être et au-delà sur le mal-être de toute une génération et un mal-être qui nous est largement relayé par ailleurs aussi par ces jeunes, par leurs parents, voire au sein de nos propres familles. Victoria, elle vient d'entamer ses études et pourtant, elle l'écrit et je lis « Je ne sais pas ce qu'est l'université, je ne sais pas ce qu'est le folklore, le baptême, tout ça ne me dit rien. Je vis mon premier blocus dans des conditions où le stress est double, le moral est lourd, très lourd, car il faut se motiver, même si les conditions sont déplorables. Rien ne te motive, rien. Tu te lèves pour rien, tu vois personne, tu te sens seule. Rien. » À 18 ans, à l'âge où on a tellement, tellement d'espoir. Et elle évoque la détresse psychologique et avec beaucoup de pudeur les risques de dépression, voire de suicide, dont on sait qu'ils sont réels. Et elle nuance son propos, elle s'excuse presque. Moi, j'ai envie de lui dire à Victoria que je la comprends, qu'on la comprend, qu'elle ne doit pas s'excuser de partager son mal-être, qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance et que chaque souffrance doit être entendue. Et Madame la ministre, Victoria, elle est le porte-parole d'une génération, ce n'est pas une génération qui se plaint, elle est le porte-parole d'une génération qui a besoin d'espoir. Et on en discute régulièrement ici. Moi, je veux lui dire aussi à Victoria qu'on sait, on partage, on comprend, on est en empathie. Alors, Madame la ministre, je saisis l'occasion de cette question pour de nouveau faire le point, parler de ce sujet sensible et faire le point sur les actions que vous menez pour répondre à cette détresse grandissante qui naît de la situation actuelle, une situation qui dure, qui se prolonge et qui fait énormément de dégâts. Merci d'avance pour vos réponses. Merci.
Madame Glatini. Merci, Madame la députée, pour votre question sur le témoignage de Victoria, cette étudiante de l'ULB qui a fait part de sa détresse. Et j'avoue que ce témoignage m'a moi aussi bouleversée parce qu'il fait état finalement d'un ras-le-bol par rapport au dodo, ordinateur, ça suffit. Et donc, on a bien conscience que la tranche des 18-25 ans, cette tranche est particulièrement impactée puisque l'enseignement supérieur est à distance depuis presque un an maintenant et qu'il y a l'impossibilité d'avoir des activités sociales puisqu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sortie. Et donc, on sait que cette tranche d'âge particulièrement paye un lourd tribut à la crise sanitaire. Et donc, c'est un appel que j'ai lancé aux collègues du comité de concertation, aux experts, pour qu'ensemble, nous puissions porter un message d'espoir avec une perspective pour l'enseignement supérieur pour pouvoir, à partir de mars, envisager des modalités. Alors, on sait qu'il faudra être extrêmement prudent, qu'il faudra également avoir le concours des étudiants pour envisager la reprise sous des modalités spécifiques d'une partie de l'enseignement parce qu'on en est bien conscient. Je pense qu'il ne serait pas acceptable de faire basculer encore l'enseignement supérieur jusqu'en septembre à distance parce que les dégâts psychologiques seraient vraiment considérable et je vous avoue qu'il m'est extrêmement difficile de continuer à regarder dans les yeux les étudiants et de leur dire de s'adresser à un numéro vert pour obtenir par exemple la possibilité de discuter de leur mal-être ou une aide psychologique. Je pense que ce n'est plus suffisant et qu'aujourd'hui il faut donner des perspectives. Je vous remercie. Merci pour votre réplique, Madame Nikolic. Merci, Monsieur le Président. Ben oui, je pense qu'on est tous touchés et l'émotion était palpable dans ma question. Elle dit à un moment donné, Victoria, je ne parle pas de guerre, je ne veux pas comparer. Et moi, je viens d'un pays qui a connu la guerre, je ne l'ai pas connu moi personnellement, mais mes cousins, mes cousines étaient jeunes au moment de cette guerre. Et effectivement, on ne peut pas comparer, ce n'est pas comparable, parce que dans une guerre, on sait, d'abord, on est tous logés à la même enseigne, on sait pourquoi on se bat et on a une perspective, la perspective de la paix, de la liberté retrouvée. Et c'est ça qui est essentiel, vous l'avez dit, ce sont ces perspectives. C'est ce qu'on ne donne peut-être pas suffisamment. Alors, vous avez parlé de l'enseignement, ce qui est dans votre compétence, mais on est bien d'accord que ça va bien au-delà. C'est toute la vie sociale qui est chamboulée. Et c'est vrai que c'est là qu'on a besoin de donner des perspectives. Et enfin, voilà, ce n'est pas tellement une réplique par rapport à votre réponse, mais peut-être une bouée qui est lancée de dire à un moment donné, rendons espoir aussi à cette génération et que tous ces sacrifices aient un sens. Merci. Merci. La toute dernière question est posée par M. Collin sur le désarroi des clubs de ski. Madame la ministre, on vient de parler de détresse. Tout à l'heure, on va parler de sport. Moi, je voudrais vous parler de frustration et de colère, d'une catégorie de sportifs, en tout cas d'amoureux du sport. Les sports de glisse. C'est un sport particulier puisqu'il est lié en plus à une économie importante dans certaines sous-régions de Wallonie. Et ce désarroi, cette frustration, viennent évidemment des décisions gouvernementales qui ont tout simplement décidé d'interdire les pistes de ski. Alors, la frustration est d'autant plus grande que les conditions climatiques n'ont jamais été depuis longtemps aussi favorables à la pratique du ski. De surcroît, on voit un afflux massif de promeneurs sur les lieux mêmes où on est censé accueillir des skieurs, ce qui crée un tas de problèmes. Les pistes sont ouvertes juste à côté en France, où là, il y a simplement les remontées mécaniques qui sont fermées. Et puis, il y a des protocoles qui ont été proposés, des protocoles qui sont extrêmement clairs, où, par exemple, on a proposé d'accueillir des gens à quatre en bulle ou en famille, et même sur réservation. Mais on est sourd à tout cela, et on maintient purement et simplement des interdictions. Alors, évidemment, les professionnels souffrent économiquement, y compris leur personnel, et puis il y a aussi des associations, des clubs. Et évidemment, c'est un découragement. Dans ma province, province de Luxembourg, il n'y a plus que 16 clubs où on a encore suffisamment de bénévoles que pour accueillir éventuellement des skieurs. Il y en avait beaucoup plus avant. Alors mes questions, quelles sont les perspectives? Et je suis vraiment heureux de la présence du ministre-président parce que
il y a un comité de concertation vendredi. Quelles perspectives peut-on donner à ces clubs, à ces exploitants de pistes de ski? Comment comptez-vous aussi les soutenir? Parce que, évidemment, ça fait déjà 3 semaines au moins, quasi 4 semaines de perdu. En particulier, il y a une ASBL de gestion à la baraque de Fréture. J'en parle non pas parce que c'est juste à côté de chez moi, mais parce que l'ASBL est notamment constituée de membres, en ce compris l'ADEPS, qui a même une part prépondérante. C'est un site d'ailleurs de l'ADEPS. Et puis, quels sont les contacts que vous avez eus avec la nouvelle fédération francophone de loueurs de ski? Monsieur Collin. Madame la ministre, nous en prions. Merci, monsieur le député, pour votre question sur le désarroi des clubs de ski. Un désarroi qu'on comprend, évidemment, et on connaît la situation de la Fédération belge francophone de ski. Alors, les conditions météorologiques, on les avait largement anticipées, puisqu'un protocole avait été préparé par mes services pour une éventuelle réouverture, et en tout cas pour encadrer celle-ci. Mais il y a eu énormément d'interventions des autorités locales qui étaient très inquiètes quant à un afflux possible de personnes sur les pistes de ski, puisqu'on sait qu'en général, c'est à la dernière minute qu'on décide de prendre le chemin des pistes de ski. Il y a également beaucoup de touristes, beaucoup de personnes étrangères qui se décident à la dernière minute. Et donc, il y avait une demande des autorités locales de ne pas permettre la réouverture. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une modification de l'arrêté ministériel du 28 octobre dans le sens d'une fermeture des pistes de ski jusqu'au 1er mars. On comprend évidemment le désarroi des personnes qui souhaitaient pratiquer le ski, mais vous avez évoqué les randonneurs. Par exemple, on sait qu'au premier flocon, il y a eu énormément de randonneurs qui se sont rués vers les Fagnes et les Ardennes, et donc on voit bien qu'il y avait un risque d'afflux d'un grand nombre de personnes, et on peut comprendre les autorités locales. Alors, ceci dit, il faudra évidemment soutenir le secteur puisqu'il est fortement impacté. Demain, il y aura au gouvernement une proposition de ventilation de l'aide qui avait été prévue pour soutenir les clubs et les fédérations. Donc je ferai une proposition au gouvernement demain. Bien évidemment, seront éligibles la Fédération belge francophone de ski et ses 15 clubs. En ce qui concerne la Fédération des exploitants de pistes de ski, bien sûr, c'est une structure économique à vocation économique et touristique, donc qui va dépendre des régions. Et en ce qui concerne la baraque Fréture, mais comme vous le savez, son CA est composé de l'ADEPS, mais aussi des communes de Manet et de Vielsalm et également du commissariat général au tourisme. Il y a eu une réunion du CA ce matin même et donc je ne suis pas encore informée des pistes d'action. Bien sûr, je resterai informée par rapport à celle-ci, mais évidemment, il faut également souligner la vocation sportive plus large de cet organe, la baraque Fréture, puisqu'il ne s'agit pas seulement de ski, mais aussi de VTT, de BMX, de trial, etc., de randonnée. Et donc, les perspectives sont plus larges que seulement le ski. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le député Collin, je vous en prie, vous qui avez l'intérêt des sports depuis longtemps, j'en revenais à une fonction antérieure. Ça me donnera 10 secondes en plus. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, je dois vous corriger, ce n'est pas du tout les autorités locales qui ont pris la décision, c'est un arrêté ministériel, la ministre de l'Intérieur, de fermeture des pistes de ski. Et je ne vous incrimine pas personnellement sur cette décision, c'est une décision qui découle des décisions du comité de concertation. C'est pour ça que je suis content d'avoir une oreille attentive également de M. Géolet. Le problème dans toute cette crise, ce n'est pas que les Belges, qu'ils soient usagers, qu'ils soient clients, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient entrepreneurs, ce n'est pas le problème d'un refus systématique et a priori des règles. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on impose des règles qui ne sont pas objectivés. Il faut prouver objectivement qu'il y a un risque. Il faut écouter les professionnels. Il faut lire les projets de protocole. Et puis alors, il faut arbitrer, bien sûr, en privilégiant le principe de précaution, mais avec de la logique, de la cohérence et surtout du bon sens. Merci, Monsieur Collin. Nous en sommes dans nos points à la prise en considération de la proposition de décret modifiant le décret du 3 mai 2019 et qui porte sur les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et qui met en place un tronc commun. C'est déposé par Madame Maison et consorts. C'est le document repris
au numéro 189. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Ce n'est pas le cas, donc je propose de l'envoyer à la commission de l'éducation comme il sied. Et s'il n'y a pas d'objection, nous procédons de la sorte. Ensuite, nous avons une prise en considération, cette fois-ci, de la proposition de résolution qui est relative au soutien déterminé aux personnes ressources techniciens numériques au sein des écoles primaires et secondaires, spécialisées d'enseignement de la Fédération au niveau ISL, déposée par Madame Van Dorp et consorts, repris au numéro 188. Demande de prise de parole ? Non. Nous l'envoyons donc en commission de l'éducation. Toujours une prise en considération de la proposition de résolution visant à soutenir les travailleurs du secteur culturel dans le contexte de la crise du Covid-19 déposée par Madame Pavé et consorts. C'est le document 191. Demande de prise de parole. Ce n'est pas le cas. Nous envoyons donc le document à la Commission de l'Enfance, Santé, Culture, Médias et Droits des Femmes. Maintenant, nous en arrivons à la discussion générale de la proposition de résolution qui est relative à la sensibilisation, la prévention, la lutte contre les discours de haine et de harcèlement, y compris dans l'univers numérique, déposée par M. Devin et consorts. C'est le document 121. La discussion est ouverte. La parole est d'abord à Mme Koster-Beauchaud, qui est rapporteuse. Vous en référez à votre rapport écrit ou vous faites un mot ? Donc, voilà, Mme Koster-Beauchaud se réfère à son rapport écrit. Alors, on me donne comme demande de prise de parole, évidemment, l'auteur principal, M. Devin, et puis nous poursuivrons. Je vous en prie, M. Devin. Je vous remercie, M. le Président, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Madame et Monsieur le Ministre-Président, chers collègues, il ne se passe pas une semaine, voire un jour, dirais-je, sans que nous n'ayons observé les dérives que peut entraîner la propagation de propos haineux, facilitée par la diffusion à large échelle que permettent notamment les réseaux sociaux. L'avènement d'Internet recèle des opportunités formidables d'échanges et de progrès, de contact entre les peuples et les cultures, de partage de savoirs et d'émotions. L'essor des moyens de communication est incontestablement un levier puissant dont il convient d'apprivoiser les ressorts, car à côté du meilleur, le pire provoque des dégâts considérables. Non seulement à l'échelle individuelle, j'ai une pensée très émue pour la vie de ces jeunes, brisés net à la suite de formes de harcèlement auxquelles ils n'ont pu faire face, mais aussi à l'échelon collectif, car au-delà du phénomène de communauté qui rassemble des personnes ayant des affinités d'intérêts ou de points de vue, l'exacerbation de tensions entre groupes sociaux, en ce compris par le biais de stéréotypes, de propos stigmatisants, de messages relevant dans certains cas de la désinformation, mène à des comportements abusifs et potentiellement à la propagation de discours haineux, ainsi qu'à l'adoption de comportements relevant du harcèlement. Ce n'est pas neuf. Dès l'apparition de forums de discussion, la nécessité de modération ainsi que de lutte contre l'impunité ou l'anonymat de contributeurs qui bafouaient les règles a été reconnue de toutes parts, y compris par les médias eux-mêmes qui ont développé des outils pour contrer ces dérives. Diverses initiatives existent, y compris sur le plan législatif, pour cadrer les responsabilités respectives. Et nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en débattre hier en commission média, lors de la discussion sur le futur décret SMA, ou en parallèle du travail qui sera mené au Parlement européen sur le Digital Service Act, par exemple. Toutefois, la démarche que poursuivent les auteurs de la présente résolution vise à réaffirmer la nécessité de prendre des mesures concrètes, coordonnées et pérennes afin d'amplifier l'efficacité des réponses à apporter, y compris dans le contexte de la pandémie qui a sans doute encore amplifié le nombre d'heures passées devant les écrans, y compris sur les réseaux sociaux, mais surtout rappelle que plus que jamais que la cohésion sociale est un patrimoine précieux sur lequel il faut veiller. Aussi, nous formulons les recommandations suivantes. Renforcer les moyens et outils de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les discours de haine et le harcèlement. C'est important, car bon nombre de citoyens ignorent même les limites de ce qui est autorisé ou non, ainsi que les possibilités d'activer les mécanismes de plainte, par exemple.
insérer une définition de ces notions de discours de haine et de harcèlement en tenant compte des éléments existants dans les outils législatifs. Le manque d'harmonisation entre ces définitions constitue à nos yeux une faille dans la manière de combattre ces comportements en commençant par une appréhension claire de ce qu'ils recouvrent. De renforcer les missions du Conseil de l'éducation aux médias afin qu'il analyse le phénomène. Il s'agit en effet d'une coupole qui rassemble les opérateurs et acteurs issus de nombreux secteurs et qui peuvent de la sorte mettre en commun leur expertise. De permettre la reconnaissance de certains outils comme porteurs d'un intérêt pédagogique en éducation aux médias. Il s'agit aussi de cibler les outils les mieux au monde associatif, comme le prévoit le projet de la ministre Désir, de soutenir l'organisation d'un colloque annuel sur cette thématique en associant l'ensemble des secteurs de la Fédération de Bruxelles, et ce afin de faire le point et augmenter la diffusion des bonnes pratiques notamment, de veiller à assurer une coordination entre initiatives et niveaux de pouvoir, cette coordination devant permettre la lisibilité maximale aussi pour les citoyens concernés. C'est une manière de réaffirmer un attachement à des valeurs fondamentales et de rappeler que nous en faisons collectivement une priorité et y consacrons les moyens et l'attention nécessaires au sein de notre Assemblée. Je voudrais donc remercier les auteurs d'avoir soutenu ce texte, de l'avoir co-construit autour d'une volonté commune d'amener cette thématique à l'avant-plan de nos discussions et remercier l'ensemble des membres de la Commission des Affaires Générales qui, voici 15 jours, a participé constructivement, collégialement, en écoutant les uns et les autres pour parvenir à un vote unanime sur cette proposition de résolution. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour la lecture attentive et critique que vous en avez faite, de la modification apportée en vue de renforcer le dispositif et mettre l'accent sur la corrélation. Ça nous permet, je le pense, d'aboutir à une position forte, unanime, sur un enjeu majeur de notre société. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous êtes l'auteur principal. Je vous ai donné la parole en premier, mais est-ce que vous souhaitez encore réintervenir ou quelqu'un pour le groupe ultérieurement ? Non ? Donc je vais poursuivre. Oui, je vous en prie. Si, monsieur. Ultérieurement, ce sera Madame Gaouchi. Alors, elle pourrait intervenir maintenant, puisque c'est l'ordre effectivement de prise de parole, et Madame Gropi intervient ensuite pour le PTB. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Le harcèlement, sous toutes ses formes, est un véritable fléau qu'il est impératif de combattre, et plus particulièrement dans nos écoles, car il touche nos enfants, nos jeunes, et conduit nos adolescents à commettre parfois des actes dramatiques et irréparables qui sont en fait des cris de détresse. Je connais votre détermination, je connais la détermination de Madame la Ministre et sa pugnacité en la matière, puisque je la côtoie tous les 15 jours en commission de l'éducation, et je salue les différentes initiatives qu'elle a mises en place contre le cyberharcèlement tel que les appels à projets pour plus de 400 000 euros par an, le numéro vert d'écoute et d'autres encore. Mais je vous rejoins, totalement lorsque la ministre déclare qu'il faut porter une attention structurelle, durable et généralisable à toutes les écoles et que celles-ci doivent être mieux préparées à prévenir ces phénomènes. L'idée de mettre en place un modèle de label de reconnaissance basé sur les nouvelles méthodes, axé sur le climat scolaire, le suivi de ce climat scolaire, le travail réalisé par les délégués au contrat d'objectif et les directeurs de zone me paraît vraiment de bon augure pour réunir les différents acteurs de terrain et viser l'efficacité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Gaouchi. Pour le PTB, c'est Madame Gropi qui intervient, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Député, d'avoir présenté le texte. Nous sommes favorables à cette résolution en ce qu'elle peut permettre d'améliorer la lutte essentielle, vous l'avez dit, contre le racisme et les discriminations, et notamment chez les jeunes. J'aimerais juste revenir sur quelques remarques formulées par le CESEM sur ce projet, comme déjà débattu en commission, mais ça me semblait important de revenir dessus pour attirer l'attention de tout le monde. Donc le CESEM rappelle à juste titre que le cyberharcèlement relève aussi en grande partie de problèmes liés au cadre scolaire, Madame Gaouchi l'a rappelé,
et qu'il faudra donc collaborer avec tous les acteurs liés à l'éducation des jeunes, l'éducation permanente, les centres PMS, les secteurs d'aide à la jeunesse et d'autres secteurs associatifs. C'est une remarque, je pense, que nous devons garder en tête. Ensuite, le CESEM insiste bien sur le fait que ce combat contre les discours de haine ne doit pas pouvoir être détourné de ses bonnes intentions et se retrouver dans les faits à engendrer une limitation de la liberté d'expression dans l'espace public et médiatique. Les mesures prises ne doivent pas être trop générales, mais se limiter spécifiquement aux appels à la haine et à la discrimination. Et donc j'aimerais attirer l'attention des signataires de cette résolution et l'attention du gouvernement sur l'encadrement strict de ces mesures afin d'éviter ce danger. Troisième remarque, le CESEM rappelle que les compétences en matière d'éducation aux médias ne sont pas assez présentes dans les référentiels du tronc commun. C'est une remarque que le Conseil a adressée au mois de mai déjà. Il est clair qu'il est fondamental que des compétences claires et explicites sur ce sujet soient définies, vu l'importance que prend de plus en plus l'éducation aux médias et la nécessité pour les jeunes de pouvoir développer leur esprit critique par rapport aux informations qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Là aussi, j'aimerais attirer l'attention sur ce renforcement de l'éducation aux médias, en lien évidemment avec la ministre de l'Éducation. Ensuite, le CESEM indique que le décret de 2008, l'ayant créé, devrait être évalué et adapté, car il ne correspond plus tout à fait aux enjeux actuels. Il y a 12-13 ans, en effet, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et certains enjeux, comme les théories du complot, n'étaient pas aussi répandus et accessibles qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Donc je pense important, comme le suggère le CESEM, d'adapter la législation à la situation actuelle. Enfin, et c'est là aussi très important, c'est évidemment une bonne chose de prévoir davantage de mesures en termes de sensibilisation et de prévention aux discours de haine, mais il faut également prévoir les moyens qui doivent aller de pair avec ce renforcement des mesures. Or, le CESEM remarque que le dispositif d'éducation aux médias et les initiatives allant dans ce sens prévues par le décret de 2008 n'ont jamais été indexées depuis 10 ans. Le Conseil explique que cette absence d'indexation implique dans les faits une diminution globale significative des moyens disponibles pour l'opérationnalisation et qu'il est difficilement envisageable de financer significativement de nouvelles initiatives du coup sans affecter de nouveaux moyens. Si on veut organiser une lutte efficace contre le racisme et les discriminations, il faut vraiment s'en donner les moyens. Et c'est aussi regrettable de voir que ce n'est pas suffisamment le cas jusqu'ici. Donc j'insiste, je pousse les différents acteurs concernés à prévoir cette augmentation de moyens demandée par les acteurs de terrain. Ensuite, sur le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a aussi émis un avis. Et il regrette que le rôle joué par les plateformes et les réseaux sociaux dans le grand écosystème des médias, que la responsabilité de ceux-ci est trop limitée. Alors qu'il y a une directive européenne, elle s'appelle la directive e-commerce, qui exonère les plateformes de la responsabilité des contenus postés par les utilisateurs, parce que c'est aux prestataires d'agir si un utilisateur signale un contenu d'ordre ou de caractère haineux. Et du coup, la crainte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est que cette autorégulation, en fait, reste au stade d'illusion. Et du coup, la suggestion, c'est de faire une régulation par les pouvoirs publics. Et donc, ce qu'il suggère, c'est un modèle de co-régulation qui permettrait l'engagement des services concernés qui doivent respecter et appliquer des lignes de conduite appropriées et en même temps que cette régulation soit sous la surveillance bienveillante d'un régulateur compétent. Donc cette remarque, je l'ai relayée en commission des affaires générales, elle a été intégrée au texte et avec l'ensemble de ces points d'attention, le PTB va soutenir ce texte et restera bien sûr attentif aux nombreuses portes que cette résolution ouvre. Je vous remercie. Merci. Madame Gropi, la parole est maintenant au groupe MR à travers Monsieur Marois. Nous écoutons. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, les discours de haine et le harcèlement sont une plaie, bien évidemment, pour le vivre ensemble. Ces actes ont des conséquences dramatiques
pour les personnes qui en sont victimes. Monsieur Devin l'a dit, le développement phénoménal des réseaux sociaux au cours de la dernière décennie a ouvert, c'est positif, des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces de débat. Hélas, ces espaces se sont progressivement transformés en déversoir de toutes les frustrations et malheureusement d'un flot permanent d'insultes et de contenus haineux. Ce constat, nous le partageons tous, nous le déplorons tous. L'actualité récente fournit de multiples exemples des conséquences de ces dérives dangereuses et inquiétantes. Je pense notamment à Cécile Djunga, comédienne, humoriste et animatrice à la RTBF, qui a décidé de se battre, d'agir en justice. La procédure a lieu en ce moment, et ce, suite aux attaques racistes dont elle a été la victime il y a quelques mois. Nous lui témoignons bien sûr de tout notre soutien. Puis on dit souvent, Monsieur le Président, que l'exemple doit venir d'en haut. Nous avons tous assisté, hallucinés, aux agissements du président Donald Trump. On pourra bientôt dire dans quelques heures de l'ex-président Donald Trump. Trump qui a utilisé les réseaux sociaux pour lancer un appel à la manifestation et à la rébellion. On connaît la suite, bien évidemment. Alors, si nous condamnons évidemment tous cette attitude totalement irresponsable, la réaction des grandes plateformes n'a pas manqué non plus de provoquer le débat. Comme vous le savez, Twitter et Facebook ont tout simplement exclu Donald Trump et fermé ses comptes en raison de la multiplication de ses propos haineux et mensongers. Alors, cette décision radicale, on peut évidemment la comprendre, mais n'empêche, elle pose question. Est-ce le rôle d'entreprises privées de décider de qui peut, oui ou non, s'exprimer sur le net? Je ne vais évidemment certainement pas trancher le débat. C'est d'ailleurs une bonne chose qu'il ait lieu, ce débat, c'est sain. Il démontre en tout cas la nécessité d'un cadre et d'une régulation plus poussée. Les grandes plateformes doivent bien sûr prendre leurs responsabilités, mais les pouvoirs publics ne peuvent pas se contenter de rester au balcon. Lors des discussions en commission il y a 15 jours, j'ai par exemple émis l'idée de lier l'octroi des aides à la presse aux efforts déployés par les éditeurs pour assurer une modération des propos tenus sur leur site ou sur les comptes que leurs médias ont créés sur les réseaux sociaux. On pourrait par exemple imaginer octroyer un bonus à tel média de presse écrite ou de presse audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se montrerait particulièrement actif et exemplaire en matière de modération. Et il y a deux endroits où ça peut poser problème. Ça peut poser problème sur le site que ce média a ouvert sur l'Internet, et certains médias permettent de commenter les articles qu'ils y déposent. Beaucoup de médias, je le signale quand même, ont décidé de renoncer à cette possibilité-là. Il n'est plus possible de commenter les articles. Mais par ailleurs, tous les médias ont évidemment ouvert des comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, où ils déposent leurs productions, leurs articles, leurs reportages, leurs contributions. Et là, les internautes peuvent commenter. Et bien souvent, c'est le règne du n'importe quoi avec de multiples dérives. Alors il y a bien des instruments qui sont déployés. Ces instruments, ce sont des programmes informatiques. Le plus utilisé, c'est un programme français qui s'appelle Netimo. En fait, comment ça fonctionne? On introduit dans une base de données toute une série de mots. On constitue, si vous voulez, une liste noire et le programme informatique va trier les messages qui sont déposés par les internautes en écartant, en mettant dans une boîte aux lettres spécifique les messages problématiques. Et à ce moment-là, c'est un humain qui doit décider si oui ou non il faut valider le commentaire. Mais évidemment, les programmes informatiques, ils ne sont pas parfaits. Et donc, il faut plus investir dans la modération humaine. Et cela ne peut pas être fait, évidemment, par un stagiaire. C'est extrêmement délicat parce que, vous l'avez compris, et j'en reparlerai, l'un des enjeux, c'est évidemment de trouver le juste équilibre entre se prémunir et combattre les propos haineux qui portent atteinte à l'égalité des sexes, qui s'en prennent à la race, aux convictions religieuses, etc. Je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais qui, sans aller jusqu'à porter atteinte à la liberté d'expression. Et donc, l'encadrement et la régulation des grandes plateformes
constitue, vous l'avez compris, un enjeu stratégique, mais aussi très complexe, parce que, comme je l'ai dit, il s'agit de veiller à ne pas porter atteinte à ce pilier de toute démocratie qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression, il faut quand même le rappeler, cela inclut le droit d'exprimer des propos qui dérangent. On a le droit de tenir des propos qui choquent, mais cette liberté d'expression n'inclut pas, ne permet pas de dire n'importe quoi. Les propos incitant, par exemple, à la haine, au racisme, à la discrimination, au harcèlement, doivent être poursuivis et sanctionnés. Et à cet égard, mes chers collègues, on est en plein dans l'actualité. Vous avez devant vous ou derrière vous un député un peu fatigué, avec des kikines de poubouche, comme on dit chez moi, c'est-à-dire voilà, les yeux un peu fatigués. Nous avons passé 17 heures hier en commission des médias à débattre du nouveau décret sur les services de médias audiovisuels, décret SMA, qui transpose 3 directives européennes, dont la fameuse directive SMA adoptée au niveau européen en 2018. C'est un jalon important parce que ce décret étend la régulation aux nouveaux médias apparus ces 10 ou 15 dernières années, comme les plateformes de partage de vidéos. Elles n'étaient absolument pas comprises dans le champ de la régulation. Elles échappaient à la compétence de notre gendarme de l'audiovisuel, notre régulateur, j'ai nommé le CSA. Et ces plateformes, elles vont devoir faire des choses très précises. C'est marqué noir sur blanc dans le décret. On en a abondamment débattu hier. C'était un débat extrêmement riche, avec beaucoup d'expressions intéressantes. Ces plateformes devront, par exemple, mettre en place la possibilité de signaler des contenus problématiques. Certaines le font déjà, mais pas toutes. Ces plateformes vont devoir aussi, ce sera une obligation légale, de développer des actions d'éducation aux médias. Alors, bien sûr, la question que j'ai posée, que d'autres ont posée à la ministre, c'est de savoir, oui, mais ça veut dire quoi? C'est un petit peu vague. Mais évidemment, un décret tel que celui-là, je l'ai dans ma mallette, c'est décret, c'est marrant, c'est un annuaire téléphonique, hein, ça fait 300 pages, 500 articles. Un décret, ça ne peut pas tout régler. Et donc, la ministre s'est engagée à venir avec des propositions plus précises en matière d'éducation aux médias, j'y reviendrai. Et donc, il était effectivement devenu urgent d'adapter notre cadre réglementaire à ces nouveaux acteurs qui ont pris une place prépondérante partout, dans toutes les catégories de la société, que ce soit le commerce, que ce soit la culture et même la politique. Tout le monde, je pense, ici, dans cet hémicycle, a un compte sur au moins un réseau social et communique vis-à-vis de son public cible, ses électeurs, rend compte de ce qu'il fait grâce aux réseaux sociaux. Et ça touche toutes les catégories de la population, depuis le jeune, en principe, il faut avoir 13 ans, jusqu'à ce qu'on aille dans sa dernière demeure. Donc ça avance à la Fédération Hollande-Bruxelles. On l'a fait hier en commission. Le texte arrivera ici en plénière, j'imagine, dans une quinzaine. Ça avance également, mes collègues y ont fait allusion, en tout cas M. Devin, ça avance du côté de l'Union européenne, où il y a un gros travail qui est réalisé avec le fameux Digital Services Act, le DSA, qui a été présenté à la veille des vacances de Noël. Il va dans la même direction en renforçant la responsabilité des réseaux sociaux. Il ne va toutefois pas, c'est le bémol, jusqu'à considérer ces plateformes comme étant des éditeurs responsables. Pourquoi ? Bien parce qu'elles ne choisissent pas les contenus qu'elles mettent en ligne. Ce sont les utilisateurs qui mettent en ligne des contenus. Et donc, les éditeurs, finalement, ce sont les utilisateurs. Mais elles auront des obligations qui seront liées à leur statut d'hébergeur. Et l'un des enjeux, ce n'est pas le seul, mais l'un des enjeux, c'est la transparence des fameux algorithmes. Parce que vous pensez que ce que vous voyez sur votre fil d'actualité Instagram ou Facebook, c'est parce que ce sont les derniers qui ont mis des messages. Pas du tout. Il y a des algorithmes dont on a difficile à connaître la recette qui vont vous proposer des contenus en fonction de vos choix. En clair, si vous êtes un militant d'extrême droite, ou d'extrême-gauche, ou je ne sais quoi, un vegan, peu importe, eh bien, vous allez vous voir proposer des contenus qui ressemblent à ce que vous pensez. Donc, évidemment, ce n'est pas de nature à vous amener à élargir votre champ de vision. Ça ne va pas vous amener à remettre en cause vos convictions, quelle qu'en soit la qualité. Et donc, ces algorithmes, c'est évidemment un des soucis. Le DSA également pour objectif de responsabiliser les plateformes en les soumettant à des devoirs stricts en matière de modération,
l'Europe doit être pionnière en la matière. On peut se réjouir, franchement, qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, les choses commencent à bouger, mais il y a du travail. Hein. On ne peut pas dire que, on est une petite fédération, ce sont des acteurs qui sont pour TikTok situés en Chine, pour les autres aux États-Unis, on n'est qu'une toute petite fédération. On a des leviers, on doit les utiliser, et c'est pourquoi, avec plusieurs collègues de la majorité, nous avons déposé cette proposition de résolution dont, vous l'avez compris, je suis un des co-signataires. Alors, comme j'ai dit en commission, hein, Monsieur Devin, cette proposition de résolution, elle ne contient pas une recette toute faite. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé la clé pour résoudre l'ensemble des problèmes liés à ces dérives sur les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos. Mais cette proposition, elle entend mettre l'accent sur, vous l'avez dit, notamment l'éducation aux médias, dont nous pensons qu'elle doit être élevée au rang des priorités. Et donc le texte propose également d'assurer un suivi rapide et concerté des recommandations du CSA relatives à la responsabilisation des plateformes de partage de contenu en ligne. Je le souligne, le CSA a fait un travail remarquable il y a quelques mois, un travail fouillé, un travail documenté, avec toute une série de recommandations, de propositions pour essayer de combattre ce phénomène. Je pense que nous devons, Monsieur le Président, donner des débouchés concrets au travail du personnel du CSA. Et donc cette proposition que nous amenons aujourd'hui en plénière, ce n'est que le début d'un processus, c'est une première pierre à un édifice qui en comportera plusieurs, qu'elle soit ici à la Fédération, au fédéral, où il y a aussi des débats. J'ai vu pas plus tard que tout à l'heure qu'il y avait des réunions de commission où on discute de ces matières-là aussi au niveau fédéral et puis évidemment au niveau de l'Union européenne. Vous avez eu la raison, ceux qui m'ont précédé, de mettre l'accent notamment sur l'éducation aux médias. Il faut éduquer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, parce qu'il est faux de croire que les dérives, c'est uniquement les jeunes. Hein. Bien souvent, les personnes plus âgées, et quand je dis plus âgées, ça peut être ma génération aussi. Moi, je ne suis pas né avec un smartphone dans la main. Et on a parfois difficile, à partir d'un certain âge, de connaître les codes, de maîtriser les codes de ces nouveaux outils, de cette nouvelle communication. On a parfois tendance à s'exprimer sans filtre. En fait, finalement, la règle, elle est claire. Ce que vous ne pouvez pas dire dans l'espace public, sur la place du village ou dans le café d'à côté, vous ne pouvez pas le dire sur un réseau social. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre ordinateur que vous pouvez dire n'importe quoi. Et donc l'éducation aux médias, ça doit être effectivement une des priorités au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a déjà des initiatives qui existent. J'ai participé dans ma vie antérieure à un très chouette programme qui s'appelle « Journaliste en classe » par exemple. Ben voilà, « Journaliste en classe » pourrait être développé. Autrefois, les journalistes qui y participent recevaient une centaine d'euros défiscalisés. Bon, ça les amenait parfois à se rendre à 100 km de leur domicile. Ils achetaient les gazettes avant d'aller rencontrer une classe pour leur expliquer ce qu'était le travail d'un journaliste, ce qu'était une politique éditoriale, etc. Aujourd'hui, c'est fiscalisé. Autant dire qu'il y a moins de candidats. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça concrètes sur lesquelles nous pourrions évidemment travailler. On a, je pense, et je vais conclure ici, trop souvent eu tendance à se reposer sur l'autorégulation. Je pense que l'expérience, au bout de 15-10 ans maintenant, montre que si les plateformes réagissent peu à peu, force est de constater que ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un cadre régulatoire sans porter atteinte à la liberté d'expression. Voilà, je remercie mes collègues pour le travail effectué et aussi pour l'accueil qu'ils ont réservé à notre démarche, puisque en commission, cela a été voté à l'unanimité, et conclure en disant qu'à titre personnel, je suis particulièrement heureux parce que la lutte contre les discours de haine en ligne et les dérives dans lesquelles sont tombés les nouveaux médias, ces plateformes, ces réseaux sociaux, eh bien, c'est sans doute l'une des thématiques sur lesquelles je suis le plus intervenu depuis le début de mon mandat de député en 2014, demandé à Jean-Claude Marcot. J'ai dû, à mon avis, l'enquiquiner plus d'une fois sur cette thématique. Je suis donc particulièrement heureux que l'on puisse enfin avancer en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous remercie. Merci, M. Marat. Alors, pour le groupe CDH, M. Matagne. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues.
Simplement pour réexprimer que la thématique abordée par cette proposition de résolution est éminemment grave. La propagation des discours de haine et du harcèlement, et singulièrement via les réseaux sociaux, est un fléau qui fait trop de victimes. La prévention, le contrôle et la répression contre ces propos et ces comportements haineux constituent une priorité politique. La proposition de résolution que ce Parlement s'apprête à adopter atteste de la préoccupation de l'ensemble des parlementaires face à la montée de ces comportements inappropriés. En commission, j'avais exprimé un certain étonnement, l'étonnement de mon groupe, de voir cette proposition atterrir en commission des affaires générales et non dans la commission des médias. Si la lutte contre les discours de haine et de harcèlement nécessite une approche transversale, les demandes formulées dans la résolution concernent essentiellement la compétence des médias et singulièrement l'éducation aux médias. Cet étonnement était doublé d'une certaine frustration de ne pas pouvoir échanger finalement avec la ministre directement concernée, Madame Linard, d'autant que la ministre a annoncé un plan pour l'éducation aux médias. Madame la ministre était présente, évidemment, j'aurais souhaité l'inviter peut-être à nous renseigner quelques grandes lignes de son plan, ce sera donc pour plus tard. Je suis sûr qu'elle ne manquera pas de nous apporter les précisions que nous attendons tous. Mais donc d'abord, je me contenterai de revenir peut-être dans son avis sur la proposition, le CSEM a pointé l'étroitesse de ses moyens pour mener des projets de lutte contre les discours de haine et de harcèlement. Et des moyens complémentaires devraient peut-être être envisagés, et plusieurs collègues l'ont déjà mentionné, et en commission, et à l'occasion de cette séance plénière. Néanmoins, chers collègues, nous nous réjouissons, puisque en commission, l'amendement que le groupe CDH a proposé, a formulé, a été approuvé, accueilli, je vais le dire comme ça, par la majorité et à bras ouverts. Et il vise à ce que figure dans la résolution la notion de co-régulation souhaitée par le CSA avec les fournisseurs de plateformes de partage de contenu en ligne. L'ensemble des groupes politiques a soutenu cette proposition. C'est pourquoi nous allons évidemment soutenir la proposition de résolution qui nous est ici présentée. Je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué à ce joli travail de concertation. Merci, monsieur Matagne. Monsieur Séguer, pour le groupe Écolo. Merci, monsieur le Président. Mes collègues ont déjà brossé le contenu du texte. Je prendrai donc le temps d'une intervention un peu plus macro. Chers collègues, l'unanimité est-elle une alliée de la démocratie? L'unanimité permet-elle en fait l'expression de la richesse réelle d'une différence? Eh bien, l'unanimité que je lis autour de ce texte, je dirais que cette unanimité-là, elle construit le respect de nos différences. Je vous regarde, chacun, chacune, et je trouve dans le regard, dans vos regards, des volontés, d'importantes volontés de démocratie, de discussion, de partage, de nécessité, en fait, à défendre l'intérêt commun. Sur ces questions que sont la lutte contre le discours de haine, la cyberviolence, être unanime est un devoir démocratique. C'est un devoir, dans notre union, de répondre à ce qui entretient la violence, à ce qui alimente la violence. Rappelez-vous, le 6 janvier dernier, outre-Atlantique, à Washington, au Capitole, d'où venait cette colère contre la démocratie, contre le respect des institutions démocratiques, contre le vote? D'où venait cette déferlante d'agression? Eh bien, elle venait en partie des discours malveillants, à coups de tweets, à coups de posts, à coups de raccourcis, à coups de mensonges, à coups d'attaques personnelles, à coups d'attaques globales, de déformation, à coups de cristallisation des peurs. C'est à coups de petits coups détournés, mais aussi de stigmation des populations, c'est par à-coups que l'on crée ce type de foule
exacerbée par la haine. Je voudrais vous parler de barrières. Les murs, les herses, les chevaux de frise ne sont pas des réponses pour contenir la colère et la haine. C'est le travail d'éducation aux médias et d'attention aux plus fragiles, mais aussi celui des régulations qui permettent de ne pas être contraints à ériger des barrières physiques pour sauver les principes démocratiques. C'est en luttant activement contre les discours de haine en ligne et contre ces armes froides que sont le cyberharcèlement que nous éloignerons les diktats d'aujourd'hui et les diktats de demain. Cette prise en main de la défense de la démocratie au travers du numérique démarre dès le plus jeune âge. Elle est devenue un enjeu essentiel, un enjeu moderne, un enjeu actuel. C'est en responsabilisant, en éduquant, en offrant un monde ouvert et attentionné à l'expression des talents, dans le respect de chacun, que nous éloignerons le plus loin possible, hors de nos vues, ces barrières, toutes les barrières, en permettant à chacun de comprendre et de maîtriser les codes actuels et leur utilisation. Nous devons garantir aux plus jeunes générations, celles du futur, celles qui seront les citoyens et les citoyennes de demain, eh bien nous devons leur garantir une utilisation la plus responsable possible du numérique. Ce texte est une étape de travail pour un travail plus étendu. Fondateur de notre union sur ce travail, de notre volonté à rejeter les barrières, de défendre et soutenir toutes les victimes du cyberharcèlement et chacune des victimes de haine. La haine. La haine, aujourd'hui, il nous suffit de regarder certaines pages d'actualité sur les réseaux pour la lire. Je suis effrayé de me dire que nos enfants sont confrontés à ce type de haine, quotidiennement. Hier, par exemple, un titre de journal partagé sur un réseau. Hier, un Algérien découvert mort dans une cellule de la police. Et derrière ce titre de journal, 5 fois ceci. Un Algérien découvert mort dans une cellule de la police et directement 5 fois ceci. Mais on va où là? C'est écœurant, c'est révoltant. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser des gens poster 5 fois « haha » sur les réseaux sociaux parce qu'on lit une actualité qui dit qu'un homme est mort dans une cellule. Face à cela, c'est notre responsabilité conjointe d'établir un champ plus fort d'éducation, d'établir dans les premières années de la vie quelque chose qui nous conduit, mais aussi durant toute notre existence, d'établir des balises importantes de protection et de lutte contre le cyberharcèlement et contre la propagation de mots, de phrases, d'expressions, de gestes insensés. Nous voulons une société résolument pédagogique, culturelle, éducative pour chacun et de manière permanente. Nous nous érigerons, chacun et chacune, contre les violences psychologiques, contre toute forme de violence. Et ainsi, à toutes les personnes qui agressent, à toutes les personnes qui déforment, à toutes les personnes qui harcèlent, à toutes les personnes qui menacent et qui stigmatisent, à ces personnes-là, je veux leur dire que nous sommes résolument du côté des victimes. Résolument. Que nous sommes aujourd'hui dans un momentum, dans un instant où nous devons être à l'écoute des victimes et de rappeler ce que dit le texte. Le texte dit, nous y travaillons et nous soutenons. Nous travaillons et nous soutenons une attention particulière aux personnes, dont les femmes, qui sont exposées à une forme aggravée des discours de haine parce qu'elles se trouvent à la charnière entre plusieurs discriminations. Oui, nous sommes ensemble, nous sommes unanimes, avec nos nuances, nous sommes ensemble pour dire aux amis de la démocratie, plutôt que d'ériger des barrières, nous érigerons des ponts, nous érigerons du dialogue, nous érigerons du soutien, nous érigerons de l'éducation. Restons unis, continuons. Je vous remercie. Merci. Pour clore, c'est M. Vossart pour Défi qui intervient. Merci, M. le Président. Alors, pour mon groupe, il s'agit évidemment de créer, et je rebondis un peu sur ce que me disait M. Séguer, c'est créer des ponts, c'est d'avoir, par rapport à cette problématique, ce fléau, une approche transversale.
C'est pour ça aussi que nous saluons l'initiative, cette proposition de résolution, parce qu'elle intervient dans une forme de, je dirais, de continuité par rapport à la résolution qui avait été également adoptée à l'unanimité en 2019, mai 2019, d'ailleurs il y fait référence dans le texte, qui dressait juste un volet de ce fléau, de ce phénomène du racisme, de la haine et du harcèlement. Et donc, nous nous inscrivons dans cette continuité, dans cet élargissement du champ des compétences. Et c'est pour cela que nous allons soutenir cette résolution. Alors, nous voulons insister sur certains points, notamment la question des outils que nous avons à notre disposition, qui sont des outils qui sont, par exemple, à l'attention des jeunes. Et dans la résolution, on y fait référence, c'est cette fameuse application CyberHelp. Cette application, c'est important qu'elle puisse être généralisée. Ça ne doit pas être justement réduit à un seul territoire, un seul aspect. Il faut vraiment la généraliser, faire en sorte qu'elle soit la mieux connue possible, la mieux utilisée, parce que c'est un exemple de bonne pratique. Ensuite, vous avez, et c'est monsieur ici, monsieur du maire, monsieur Marois qui en a parlé, monsieur Marois, c'est très bon signe. Je fais référence à vous parce que vous êtes vraiment axé sur la question des médias. Et évidemment que le décret concernant l'éducation aux médias doit être justement analysé sous toutes ses coutures et de faire en sorte qu'on puisse au mieux l'évaluer et justement peut-être le faire évoluer dans le bon sens par rapport à cette approche transversale de ce qu'est l'usage des réseaux sociaux, l'approche critique que les citoyens, que les jeunes ont ici des exemples qu'on a donnés sur les réseaux sociaux qui sont forcément des exemples où il y a une dérive qui est sans cesse grandissante et qui n'est pas forcément l'œuvre uniquement de citoyens, mais aussi de représentants politiques. Et donc, je pense que dans ce débat, il y a un devoir de notre côté d'exemplarité et d'une meilleure manière de fonctionner sur les réseaux sociaux, de communiquer. Alors, un des points qui revient aussi, c'est la question du partenariat avec l'enseignement. Je pense que le partenariat avec l'enseignement, c'est avant tout lui donner les outils, ce monde de l'enseignement, au corps professoral, mais on fait référence à un partenariat avec le monde associatif, mais ce qui est important, c'est vraiment d'axer sur comment le monde de l'enseignement peut être outillé au mieux pour lutter contre ce fléau. Et je finirai sur un point qui est l'échange de bonnes pratiques, non pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau international, à l'échelle européenne, internationale. Et je prends l'exemple de l'OCDE, pour lequel il y a eu des réunions importantes. J'ai même pu participer à ces réunions sur notamment la question du cyberharcèlement. Et là, il y a vraiment matière à s'inspirer de pratiques venues de l'étranger. Donc je pense que dans cette résolution, ce point qui figure est vraiment très important et très positif. Donc même si de la part de notre groupe, on estime que cette résolution a des valeurs à la fois symboliques et parfois des, je dirais, une forme d'imperfection sur certains aspects, eh bien, ça ne nous empêche pas d'être constructifs et de voter favorablement ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'y a-t-il plus de demandes de prise de parole ? Cela semble être le cas. Donc, je vais suspendre nos travaux 2 minutes, le temps de mettre en place les conditions de remise du prix pour la promotion du sport féminin. Et nous reprendrons donc dans 2 minutes.
êtes isolé, là. Hein. Vous êtes surveillé par la ministre derrière vous. Attention. Monsieur le ministre président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs, chère madame Orion. Pour la troisième édition, le prix pour la promotion du sport féminin du Parlement, institué en 2018, est décerné à madame Ludivine Orion. Alors je suis conscient que cette cérémonie s'inscrit dans un contexte lourd. En effet, à l'image d'autres secteurs, le sport n'est malheureusement pas épargné par la crise sanitaire et les 7000 clubs, les 250 centres sportifs, les 70 fédérations sportives sont très fortement impactés par ce qui se passe aujourd'hui en recettes, en cotisations, en retrait de certains sponsors, par la mise au chômage contrainte de certains employés. Et afin de contrer les effets néfastes de la crise, un fonds d'urgence a été mis en place par le gouvernement, avec l'appui insistant de la ministre en charge des sports, de notre fédération, et va effectivement aider en partie le secteur. On ne peut pas évidemment combler tous les problèmes. La mise à l'arrêt des sports amateurs pour les plus de 12 ans a aussi, à n'en pas douter, des effets délétères. Alors, c'est sur la condition physique. On en a parlé à propos des étudiants sur la condition mentale aussi. On se rend bien compte de ce qui se passe. Et les adolescents seraient en effet de plus en plus nombreux, d'après nos informations, et malheureusement, à se désinscrire de leur club. Et il nous revient même qu'on formule le souhait de ne plus reprendre de pratique après la crise sanitaire, ce qui serait dramatique. Les sportifs professionnels, quant à eux, sont durement touchés. Ils doivent adapter leurs entraînements, réorganiser leurs stages, la participation aux compétitions sportives quand elles sont maintenues. Cependant, aujourd'hui, je souhaite, après ce tableau quand même assez sombre, dire que je me réjouis en notre nom. Nous célébrons en effet Madame Orion, qui a contribué de façon remarquable à la promotion de l'égalité des genres dans le domaine sportif. Une thématique chère à ce Parlement, membre depuis 2017 du mouvement He for She, qui est écrit par ONU Femmes. Nous avons également en avril dernier adopté un décret qui fait progresser de manière concrète l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie, donc en ce compris dans celui du sport. Mesdames et messieurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 60% de femmes, malheureusement, ne pratiquent pas d'activité sportive au sens large. Les filles s'en détournent souvent à l'adolescence, découragées qu'elles sont. Les femmes peinent à concilier vie familiale et professionnelle avec la pratique d'un sport. Et de plus, les femmes sont encore minoritaires, voire absentes dans les conseils d'administration, des fédérations, les ligues sportives. L'encadrement des sportifs professionnels doit également, pour sa part, être amélioré.
notamment pour permettre de s'entraîner dans des conditions optimales afin d'atteindre les objectifs dans des compétitions nationales ou internationales. Et en outre, les femmes et les hommes ne bénéficient pas de la même couverture médiatique. Pourtant, l'importance de la visibilité médiatique est absolument nécessaire pour le sport et pour susciter l'intérêt des vocations. Par ailleurs, les médias peinent encore à se distancier des stéréotypes de genre. J'ai d'ailleurs en tête cette anecdote que nous avons tous vécue. C'était le 2 mars 2019, quand on interrompt en Belgique, dans le cadre de la course du Nieuwsblad, une compétition sportive parce qu'une femme, partie 10 minutes après les hommes, rattrape le groupe des hommes. C'est-à-dire que les préjugés, la façon de percevoir le sport féminin, pèse encore aujourd'hui extrêmement lourd dans nos représentations sociales. Alors, mesdames et messieurs, face à ces efforts, on se rend bien compte qu'il nous faut maintenir aujourd'hui notre constante, c'est-à-dire cette volonté d'égalité parfaite dans tous les domaines, parce que nos avancées ne sont jamais absolues. Mais il y a quand même des signes, et j'en veux pour preuve votre action, cher Ludivine. Dire que, durant votre carrière sportive, votre carrière cycliste, vous avez, entre autres victoires, remporté à 2 reprises le championnat de Belgique sur route, en 2007, en 2009. Vous avez participé à pas moins de 9 fois le Trophée d'or, une course cycliste par étapes française, y gagnant le prologue par équipe, la 2e, la 3e, la 6e étape, ainsi que le classement de la montagne. Vous pourriez faire pâlir beaucoup d'entre nous par cette capacité, cette énergie. Depuis 2012, vous êtes très active, puisque vous menez, dès la saison prochaine, la section féminine de l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles. Ce projet est un projet de création d'une cellule cycliste francophone qui est destinée à mener les jeunes wallonnes et bruxelloises vers le niveau professionnel. Vous le portez de longue date et j'imagine aisément votre joie et aussi votre fierté de contribuer à sa concrétisation, permettant ainsi à de nombreuses coureuses de faire simplement la formation dans les meilleures conditions possibles. En créant cette section, c'est votre statut de championne que vous avez mis à profit. Parce que, comme ça, ça encourage plus de filles, plus de femmes à pratiquer le cyclisme, qui est un sport encore trop connoté au féminin. Et vous avez ainsi choisi d'endosser votre responsabilité de rôle modèle afin d'inspirer, de susciter l'enthousiasme, de mobiliser les énergies et d'emmener votre équipe à se dépasser. De nombreuses jeunes filles et des femmes, tout aussi compétentes et talentueuses qu'elles soient, ont besoin de modèles féminins, des modèles positifs tels que celui que vous avez offert. Des modèles auxquels peuvent s'identifier et s'appuyer pour dépasser les murs dans lesquels la société les enferme encore, les femmes, ainsi que pour oser s'engager dans des parcours qui, parfois empreints de préjugés, n'auraient pas été autrement taillés pour elles. Les initiatives que vous avez multipliées ces derniers mois vont toutes dans ce sens. Tout d'abord, en commençant à travailler en 2019 avec la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles afin de professionnaliser l'entraînement et la formation des cyclistes féminines. Vous avez ensuite mis sur pied des stages pour leur permettre d'évoluer et ainsi faire rayonner le cyclisme féminin, faire grandir les passions, élargir la base pour arriver au sommet de la pyramide des sportifs accomplis. Le projet Bingo Wallonie-Bruxelles précise aussi vos ambitions avec un calendrier belge et international pour les coureuses de l'équipe qui vont tenter de réaliser les performances au niveau professionnel au plus haut de leurs capacités. Si votre objectif n'est pas d'enchaîner les victoires dès la première saison, vous souhaitez dans un premier temps promouvoir le sport cycliste auprès du public féminin, je l'ai dit, aider les jeunes filles à progresser, atteindre le plus haut niveau mondial, et ça, c'est déjà remarquable. Chère Madame Orion, chère Ludivine, au regard de votre engagement, je suis ravi que le Parlement vous décerne aujourd'hui son prix pour la promotion du sport féminin. Ce prix, il rend hommage non seulement à vos performances, qui forcent l'admiration, mais également à votre générosité, votre implication en faveur de la promotion du sport féminin. Notre société, elle a besoin de modèles, comme vous, pour déconstruire les préjugés et les normes culturelles de la féminité, et ainsi aider les filles et les femmes à devenir ce qu'elles veulent. Il me revient à présent, au nom du bureau de notre Parlement,
et des membres de notre Assemblée de vous dire que je suis très heureux de vous remettre ce prix que vous méritez, ce prix du Parlement pour la promotion du sport féminin. Je vous félicite et je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres et députés, Mesdames, Messieurs, en vos titres qualité. Pendant ma carrière cycliste longue de 17 années à parcourir les routes du monde entier, je me suis souvent sentie esselée en tant que Wallonne. Je me retrouvais, en effet, la plupart du temps comme seule représentante du sud du pays sur la ligne de départ. Pour parvenir au statut professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des parents passionnés de cyclisme, prêts à consacrer tout leur temps libre à ma passion. C'est cette chance... Toutes les jeunes filles désireuses de se lancer dans ce sport ne l'ont pas. Depuis mon arrêt de la compétition après les Jeux olympiques de Londres en 2012, je n'avais qu'une chose en tête, faire évoluer le cyclisme féminin en Wallonie et à Bruxelles. La première tentative n'a pas abouti, puis j'ai eu une opportunité de mettre en valeur mon diplôme de bachelière en éducation physique tout en restant dans le milieu cycliste. J'ai ainsi pu décrocher un job grâce à Luc Ménet et au club d'Otigny-Perouet qui regroupait des élites hommes et des espoirs jusqu'en 2020. Cet emploi me permettait aussi de pouvoir m'occuper de mes enfants en bas âge. Ensemble, nous avons atteint nos objectifs en passant par tous les stades. Entre-temps, la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles, la FCWB, m'avait rappelé pour tenter de redynamiser le cyclisme féminin en Wallonie. C'était en fait le début de l'histoire. Face à l'engouement des filles pour le projet de la FCWB, Luc m'a relancé sur le sujet au sein du team Otigny-Perouet. Après maintes réflexions, des recherches de partenaires et de filles qui voulaient se lancer dans le cyclisme ou simplement revenir en Wallonie dans un club rien que pour elles, le premier club exclusivement féminin en Wallonie était bel et bien né. Pour aller plus loin, j'ai alors pris contact avec Christophe Brandt, manager de l'équipe professionnelle masculine Bingo Wallonie-Bruxelles. Bien vite, une collaboration en ressortait et le nom de l'équipe a pu être dévoilé quelques semaines plus tard. Bingo Wallonie-Bruxelles Ladies. Au moment d'entamer la saison 2021, nous rassemblons déjà 27 compétitrices, élites ou juniors, dont une bonne vingtaine de francophones. Notre calendrier est bien étoffé jusqu'en octobre. Inespéré, il y a encore une année. Il reste à espérer que la situation sanitaire nous permette d'aller au bout de nos ambitions. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été indispensables à ce projet, mes parents ici présents, qui ont toujours été derrière moi, ainsi que mon compagnon et mes enfants, Luc Ménet, président du club, pour son soutien depuis des années, Christophe Brandt et toute son équipe pour l'aide précieuse qu'ils ont promis de m'accorder, la FCWB, les sponsors, et plus particulièrement Madame la ministre Valérie Glatini pour son implication dans ce beau projet. L'honneur que vous me faites aujourd'hui, j'en suis convaincue et je vous en remercie fortement, ne fera qu'accroître encore la portée de notre projet pour le cyclisme féminin en Wallonie-Bruxelles. Voilà certainement de quoi rehausser encore l'intérêt des filles pour le vélo, qu'il soit ou non de compétition. Vive le vélo et vive le sport féminin.
Voilà, merci de reprendre vos places, puisque maintenant l'ordre du jour appelle le scrutin relatif au conseil d'administration de WebE. Donc, nous devons élire deux membres du conseil d'administration de WebE en application des articles 64 et 74 du décret spécial du 7 février 2019, portant lui-même sur la création d'un organisme public chargé de la fonction de PO de l'enseignement organisé par la communauté française. Alors, je rappelle que si d'éventuelles interventions portent même partiellement sur des questions de candidats, elles doivent se faire, vous le savez, à huis clos, en application de l'article 45 du règlement. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Je ne le vois pas. Donc, si personne ne demande la parole, nous allons passer au résultat du scrutin que je vais vous livrer. Alors, nous avons 79 membres qui ont pris part au vote. Sur les 79 membres, 77 ont répondu oui. Nous avons deux abstentions. En conséquence, M. Nicolas Dassonville, Marc Évrard, Savinien Lorirs sont élus au sein du conseil d'administration de WebE. Et je les en félicite. Nous devons ensuite procéder à la reconnaissance de la désignation de deux membres effectifs et suppléants du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, lutte contre le racisme et discrimination. Là, c'est en fonction du décret du 4 du 12 2013 portant assentiment sur l'accord de coopération du 2 juin de la même année visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations qu'il nous appartient de désigner deux membres effectifs et deux suppléants, dont chaque fois un homme et une femme. Je rappelle que si d'éventuelles interventions à nouveau portent sur les candidats, elles doivent se faire en fonction de l'article 45, à huis clos. Y a-t-il une demande ? Je ne le vois pas non plus. Donc, nous pouvons passer au résultat du scrutin. Encore une fois, 79 membres ont pris part au vote et nous avons 19 abstentions. Le solde ayant voté pour, donc sont élus en qualité de membres effectifs Madame Anne Lamblin, Pierre-Alexandre Asmanis de Schart sont élus en qualité de membre suppléant, Madame Ayar Labrizi et Monsieur Corentin Delmotte. Je les félicite. Nous en sommes maintenant au scrutin de la Commission nationale permanente du pacte culturel. L'ordre du jour appelle donc l'élection d'un membre effectif et de quatre suppléants à cette commission, en fonction des articles 22-23 de la loi du 16 juillet 73 qui garantit la protection des tendances philosophiques et idéologiques. Là aussi, même commentaire sur les questions de personnes. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Donc, les résultats du scrutin sont ceux-ci. 79 ont pris part au vote, 71 ont dit oui, 7 abstentions, un bulletin est nul. En conséquence, est élu en qualité de membre effectif M. Hubert et de Bao, sont élus en qualité de membre suppléant M. Théodore Bourmans, Mme Nathalie Ampin, M. Souliem El Mokadem et M. Quentin Lotens. Voilà qui est dit. Félicitations là aussi. Nous passons au scrutin pour l'élection des membres du CA de l'RTBF. C'est le décret du 14 juillet 1997 qui règle cette matière. Je rappelle que si d'éventuelles interventions, encore une fois, portent sur des questions de personnes, nous devons alors le faire à huis clos. Je ne vois pas de demande non plus. Les résultats de l'élection sont ceux-ci. 79 ont pris part au vote, 77 oui, 2 abstentions. En conséquence, M. Amaury Capras est élu en qualité de membre effectif du conseil d'administration de l'RTBF. Il sera donné connaissance des résultats de cette élection au président et membre du gouvernement de la communauté. Et je félicite évidemment l'élu. Nous passons maintenant au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution qui est relative à la sensibilisation, à la prévention et la lutte contre les discours de haine et le harcèlement, y compris l'univers numérique qui a été déposé par M. Devin et consorts. Le vote va donc commencer pour tous les parlementaires présents et par Webex.
Alors, est-ce que tout le monde a pu voter en salle plénière? Je pense que oui, tout le monde a vérifié que le vote était bien acté et correct. La plénière, on clôt les votes. On attend que les votes à distance se terminent eux aussi. Alors, a-t-on voté à distance également ? Oui, on me dit que le vote peut être clos à distance. Voilà, 88 députés ont pris part au vote, 85 pour, 3 ont voté contre. Voilà qui clôt notre ordre du jour, donc le texte est adopté, bravo. Et je rappelle également qu'il y a une conférence des présidents qui se tient en salle Gluck au rez-de-chaussée. Ce ne sera pas long, mais nous devons la tenir maintenant.